soit-il le Dieu. Béni soit-il le Dieu de paix. Béni soit-il le Dieu d'amour. Béni soit-il le Dieu de justice. Sois adoré, sois loué, sois glorifié infiniment par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous débutons un cours, mais qui est important pour nous en tant que l'Église et pour nous en tant que serviteurs de Dieu. Un cours sur lequel nous allons constater que nous allons faire un constat que cet enseignement n'est plus le sujet d'actualité dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, plus on nous parle de la prospérité, on nous parle de l'excellence, on nous parle de la délivrance, mais il y a certains aspects qui ne sont plus tellement développés et qui fait que, malgré ça, les gens retombent dans la même situation dans laquelle ils se retrouvaient. Et les gens ont les mêmes difficultés et ils reçoivent des solutions temporaires. Mais après, ils se retrouvent dans la même situation par la simple raison que il y a un aspect qui n'est pas tellement abordé, qui n'est pas appliqué. Mais un jour, Jésus avait reçu une femme qui était accusée d'adultère, qui devait être lapidée. Les gens l'ont accusée en disant, Maître, la loi nous dit, la loi de Moïse nous dit, une telle femme doit être lapidée. Et Jésus est en train d'écrire cette heure. Jésus a dit, qui n'a pas encore péché? Qu'il soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. Et là, on constate que chacun a commencé à retourner parce qu'il savait qu'il avait déjà péché dans sa vie un jour. Et à la fin, quand Jésus va lever sa tête, il va voir que la femme est restée toute seule. Il dit à la femme, où sont les autres? Sont-ils partis? Ils ne t'ont pas condamné? Moi aussi, je ne te condamne plus non plus. Je ne te condamne pas non plus. Va, ne pêche plus. Et la personne est retournée, il n'a plus péché. Donc, on lui demande de ne plus pécher. Et à plusieurs places, vous allez voir, Jésus disait aux gens, va, ne pêche plus. C'est-à-dire qu'il y a un accent que Jésus a mis là-dessus pour montrer aux gens l'importance de mener une vie de sanctification, l'importance de mener une vie de sainteté et de vie de sanctification. Et c'est très important. Alors, le sujet que nous allons développer aujourd'hui, c'est un cours qui est vraiment fondamental pour l'Église, qui s'intitule les dynamiques de la sainteté. Dynamique de la sainteté. C'est très important. Nous devons savoir que nous devons nous purifier chaque jour pour Dieu. Parce que Dieu a des promesses qu'il nous a faites. Il nécessite que nous soyons vraiment saints, que nous soyons purifiés, afin que Dieu puisse les accomplir dans notre vie. La sainteté, c'est la condition que Dieu exige pour que nous puissions garder l'alliance de Dieu et mener une vie de victoire. Nous avons la responsabilité de nous purifier jour après jour, afin d'entrer en possession les promesses que Dieu nous a faites. Et cela est très important. C'est pour cette raison que nous voulons enseigner ce cours que nous appelons dynamique de la sainteté. Je vous donne les références pour la bibliographie, donc la référence des livres qui sont utilisés pour ce cours. Nous avons utilisé le livre de Marcher dans la nouveauté de vie de David Oedipo, Bishop David Oedipo. J'ai ce livre avec moi, Marcher dans la nouveauté de vie. Le livre de la sanctification totale de Bishop Adeboye, la sanctification totale. Et puis le livre de Que le feu descende, toujours de Adeboye, Que le feu descende. Et puis La force de la justice, livre de Kenneth Copeland, il est en français aussi en anglais. Des sortes de la justice, livre de Owen, il est aussi en français et en anglais. Et puis le livre Les standards et les vents. Ça, c'est le livre aussi de Kenneth Copeland, qui est en anglais et qui est aussi en français.
Tous ces livres, cinq livres, six livres dont j'ai parlé, ça développe plus la sainteté et la justice de Dieu. Comment il faut vivre une vie de sainteté? Comment faut-il que le Saint-Esprit vous utilise? Comment faut-il que vous menez une vie de pureté où vous devenez des vases pour le Seigneur? Parce que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Il a dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21, dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Il y a les vases d'honneur, il y a les vases de terre, vases d'argile, vases de bois et vases en or. Mais toutes ces vases n'ont que des usages. Soit ils sont utilisés pour l'usage noble, soit ils sont utilisés pour l'usage vil. C'est-à-dire, soit ils sont utilisés pour l'usage qui n'est pas du tout utile, ou soit il est utilisé pour l'usage qui est noble. Et c'est ce que nous constatons. Donc, c'est pour dire simplement que nous avons vraiment besoin de comprendre cette dimension-là pour que nous devenions utiles à l'Éternel. Donc, nous devons nous sanctifier, nous purifier, nous nettoyer afin de pouvoir servir le Seigneur dans le vrai, parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur avec l'attitude du péché, donc, ou avec la vie du péché, sinon ça ne va pas aller, la parole ne va pas prendre place à l'intérieur de nous. C'est pour cette raison que nous avons besoin de mener une vie de sainteté, de mener une vie de sanctification qui nous aidera à pouvoir marcher avec l'Éternel. Que Dieu soit loué. Alors, donc dans la Bible dit qu'il y a plusieurs vases et dans la maison, mais il y a les vases qui sont utilisés pour l'usage vil, quand c'est tout le monde qui vient à la maison, on les utilise pour tout le monde. Mais il y a aussi des vases qui sont utilisés pour l'usage noble, pour les invités de grandes personnes de marque, et là, on les VIP. Et là, on les reçoit avec des vases d'honneur, des bons verres, des bons plats, des beaux assiettes, des belles assiettes qu'on utilise pour pouvoir recevoir des invités de marque. Et la Bible dit aussi que si quelqu'un se sanctifie, il se purifie. De Timothée 2, verset 20 à 21, la Bible dit qu'il deviendra un vase d'honneur, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Donc, là, on peut comprendre que pour que Dieu nous utilise, nous avons besoin d'une vie de sanctification, une vie de sanctification, une vie de pureté, afin que nous devenions des vases que le Créateur va commencer à utiliser. Les vases que Dieu va s'en servir. Et c'est très important. Donc, nous avons intérêt de travailler là-dessus pour que nous devenions réellement des vases d'honneur. Alors, vous allez faire un constat dans l'Église, on ne parle plus de sanctification. On n'en parle pas beaucoup. On survole. Simplement parce que la plupart des prédicateurs ont embrassé l'évangile de satisfaction charnelle, l'évangile qui satisfait la chair, mais pas qui satisfait l'âme et qui libère l'âme. Et l'âme reste captive, mais la chair se trouve dans cette satisfaction. Et c'est cet évangile qui est prêché. Je suis prédicateur moi-même aussi. Et c'est cet évangile aussi qui est souvent enseigné et qui fait que les gens ne vont plus loin. Les gens demeurent dans le péché. Quand vous prêchez dans une église, vous faites appel à la repentance, vous trouvez plein de gens qui se repentent. J'ai été prêché quelque part, il y a longtemps. Quand j'ai fait l'appel, et les anciens, et les pasteurs, tous
dans le même sac, parce que tous étaient dans la ville de Combines. Voyez? Et c'est cet évangile, mais plein de monde, plein de femmes dans cette église, plein de femmes. Voilà. Donc, et après, on va entendre qu'il y avait des convents invités pour aller traiter un conflit. Les pasteurs sortent avec une femme avec qui l'ancien se sort avec la même femme. Ça crée le conflit. Vous voyez un peu les choses là qu'on voit dans les églises. Parce qu'il n'y a pas tellement la vie de la sainteté et que les gens mènent la vie n'importe comment. Mais ici, dans ce cours, nous allons développer beaucoup de choses. Nous avons plusieurs objectifs à développer. D'abord, au travers de ce cours, nous allons comprendre que le péché détruit la vie de Dieu, la vie de l'être humain. Le péché nous empêche à entrer dans la présence de Dieu. La loi du péché nous fait éloigner de la promesse de Dieu et du bien que Dieu nous a préparé. Et nous allons aussi apprendre la place de la sainteté dans notre vie. Comment nous pouvons mener une sainteté, une vie de sainteté avec Dieu? Comment nous pouvons marcher dans la vie de sainteté avec Dieu? Et au travers de ce cours aussi, nous allons posséder les exigences importantes pour la sainteté. Et finalement, nous allons aussi à comprendre comment qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons demander à Dieu, comment devons-nous prier, qu'est-ce que nous pouvons faire pour mener une vie de sainteté. C'est très important. Comment pouvons-nous aboutir une vie de sainteté? Et que devons-nous faire pour mener une vie de sainteté? Donc, tout ça, une vie de sanctification qui nous amène à la vie de sainteté. Parce qu'il y a la vie de sanctification qui nous amène à la vie de la sainteté. C'est deux choses différentes. On va l'expliquer. Dieu soit loué. Je passe à l'introduction. Définition de la sainteté, comme il est dit déjà dans le titre du cours dynamique de la sainteté. La sainteté, c'est une force divine qui produit en nous la vie de Dieu. Une force divine qui produit en nous la vie de Dieu. Et la vie d'un enfant de Dieu doit être une vie de sanctification. Une vie de sainteté. Parce que nous portons Dieu en nous. Le caractère de Dieu, c'est la sainteté. Si nous portons Dieu en nous, nous devons faire un effort à chaque instant que nous sentons cette faiblesse. Nous retournons vers une vie de sainteté. Nous cherchons le Seigneur pour qu'il nous restaure. Nous pouvions tomber en tant que des humains, mais nous pouvons aussi nous relever après avoir tombé. Nous pouvons nous relever ou nous pouvons demander au Seigneur de nous soutenir, de nous aider, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre pour pouvoir marcher dans la sainteté. La sainteté est une force surnaturelle qui vient de Dieu, au travers de son Esprit Saint, bien sûr, qui vient du Saint-Esprit, et qui nous purifie, être utile à Dieu. C'est une force surnaturelle. Il vient de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit, en vue de nous purifier pour être utile à l'éternel Dieu. C'est ce que nous appelons la sainteté. L'Église du temps de la fin a besoin vraiment de la sanctification. Parce que si vous regardez bien, depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours parlé aux enfants de Dieu de pouvoir mener une vie de sanctification. La vie de sanctification. Parce que l'Église du temps de la fin est semblable à un champ de maïs. J'explique. Quand vous semez des maïs, ça pousse, ça pousse. À un moment, vous allez sentir les champs remplis de maïs, mais il n'a pas encore ses fruits. Mais il a plein de plantes de maïs. Et quand il y a des plantes de maïs, vous avez besoin de les développer. Quand vous les développez, vous mettez du fumier, à un moment, ça va grandir, ça va croître, ça donne directement des maïs.
Mais ici, nous voyons l'église d'aujourd'hui est plein, c'est comme un champ de maïs, avec plein de maïs, mais qui n'ont pas produit de fruits de maïs. Vous voyez un peu ça? Donc, c'est un champ plein de maïs. Vous voyez la verdure? Waouh! Quel champ de maïs! Mais ce champ, à la fin, ça ne produit pas de maïs. Et ça tombe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Donc, les gens viennent en foule, viennent en grand nombre, mais ils n'ont pas le fruit de la repentance. Moi, je me pose des questions. Si c'est cela l'église que Jésus attend. Jésus a dit, le cognier est déjà mis à la racine des arbres. Et non, c'est Jean-Baptiste qui a dit. Le cognier est déjà mis, Matthieu 3. Il a dit quand les gens, quand il a vu quand il a vu les pharisiens qui venaient se faire baptiser, je suis dans Matthieu 3, et il a dit aux pharisiens, repentez-vous, produisez le fruit digne de la repentance, car la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé et jeté au feu. C'est ce qu'il avait dit. Parce qu'il y avait des gens qui venaient en grand nombre pour se faire baptiser. Alors c'est comme ça qu'il a dit que la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé et jeté au feu. Donc, ici, je vais vérifier le texte, mais je pense que Matthieu 3, mais je ne vais pas traîner par là parce que je passe en passant. On va trouver les versets de toutes les façons. Donc, ce qui est important, si ce n'est Verset, pas oui. trois. Matthieu, à partir du verset, oui, se produisait le fruit de la repentance. Voilà, trois versets, voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ce qui est important, nous devons amener une vie de repentance. Matthieu 8, verset 3, verset 8 à 10. Il dit que la cognée est déjà mise. Il dit, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Donc, tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Cela veut dire quoi? Nous constatons là un élément capital. Les gens qui s'affluent dans des églises, mais sans une vie de sanctification. Et c'est très dangereux. Or, quand nous allons dans Josué 3, Josué 6, verset 3, Josué 6, verset 3, on va commencer à lire. Josué 6, verset 3, on aura beaucoup de versets à lire aujourd'hui. Josué 6, verset 3. Le Seigneur dit aux enfants, Josué 6, verset 3, verset 3. Non, 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 Josué 3. Attendez, je vais vérifier. Peut-être j'ai fait l'inverse, je vais vérifier. Josué 3, 6, 6, 6. Attendez, attendez, 6. Voilà. Josué. Je vais prendre 6, verset 3, si c'est cela. Alors, c'était au moment où il a parlé, allez, le sacrificateur de porter l'alliance. Ça va, on saute ça. C'est pas grave. On va prendre 2 Chroniques 5. On va prendre 2 Chroniques 5. 2 Chroniques 29, verset 5. On va prendre 2 Chroniques 29, verset 5. Ça dit la même chose. 2 Chroniques 29, verset 5. C'est le verset là, je n'en trouve pas. 2 Chroniques 29, 5. 29, 5. Alors, il dit, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, il leur dit, écoutez-moi, Lévite. Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Donc, il demande au sacrificateur, au peuple, de se sanctifier et de mettre tout ce qui est impur hors de la maison de l'Éternel. Et pourtant, quand les gens viennent dans des églises, les dangers que nous constatons, les gens viennent avec la vie du péché, ils viennent avec la même vie,
Mais ils ne se changent pas. Pourquoi ils ne se changent pas? Parce que les messages qu'ils écoutent ne leur touchent pas, ne les amènent pas à changer la vie, à changer, à mener une vie de sanctification. Au contraire, donc, ça ne leur permet pas de changer la vie. Ils viennent toujours avec la même vie du péché et ils retournent avec la même vie du péché. Et c'est là où il y a les dangers. Donc, nous avons intérêt de pouvoir marcher dans la crainte et dans la sanctification. L'Église a besoin de la sainteté parce que Jésus lui-même a fait un travail pour l'Église. Il a dit, sanctifie-les par ta parole qui est la vérité. Donc, Jésus-Christ a sanctifié l'Église. Jean 17. Donc, Jean 17, le Seigneur a sanctifié son Église par la parole qui est la vérité. Donc, nous avons besoin de vivre une vie de sanctification. Alors, je vais prendre la fondation d'une marche véritable avec Dieu. Comment pouvons-nous marcher avec Dieu? Quelles sont les fondations que nous pouvons amener pour marcher avec le Seigneur? Quelle est la fondation que nous pouvons appliquer pour pouvoir marcher avec le Seigneur? C'est ça la question que je voulais poser aujourd'hui. Alors, pour marcher avec le Seigneur, il y a bien des choses à faire, il y a bien des choses à appliquer qui nous permettent de pouvoir marcher avec le Tout-Puissant. Il y a bien des choses à appliquer dans notre vie qui nécessitent que Dieu puisse intervenir, que Dieu puisse marcher avec nous. Et quand nous ne le faisons pas, nous n'allons pas vivre la vie de Dieu. Quand nous lisons Psaume chapitre 11, verset 3, il est dit dans ce texte, quand les fondements sont renversés, que ferait-il le juste quand le fondement est renversé? Que ferait-il le juste alors? Quand le fondement est renversé, que va-t-il faire encore le juste? C'est ça le problème. Donc, il faut que le fondement d'un enfant de Dieu soit solidement posé sur la parole. 2 Timothée 2, verset 19. La Bible dit, le solide fondement posé par Dieu reste debout avec les paroles qui les servent de sceau. Le solide fondement posé par Dieu, si elle reste debout, c'est parce qu'il y a les paroles qui les servent de sceau. Parce qu'il y a les paroles qui les soutiennent. Nous ne pouvons pas se dire, nous marchons avec Dieu, mais tout en marchant dans nos idées, dans nos pensées, sans marcher dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi dans le verset 20 de 2 Timothée, la Bible nous dit, 20 et 21, si quelqu'un se sanctifie, c'est le verset qu'on a commencé, si quelqu'un se sanctifie, il devient un vase d'honneur, propre à toute bonne œuvre, utile à son maître, parce qu'il y a plusieurs vases. Il faut qu'il y ait un vase qui se sanctifie. C'est cela que Dieu a besoin. C'est ce vase que Dieu va utiliser pour pouvoir l'amener à la dimension qui permet que Dieu l'utilise. Dieu se sert de ce vase. C'est pourquoi il est dit dans Jean 17, au verset 17 et 19, Jésus dit que c'est Jésus qui faisait la prière sacerdotale à l'Éternel Dieu. Il parlait, il donnait son rapport à l'Éternel par rapport à ses disciples. Il dit, Père, sanctifie-les. Il dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Mais dans le verset 19, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux se sanctifient aussi par la vérité. Je vais expliquer ces deux textes très profondément. Ici, on nous dit, dans le verset 17, on nous dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. On ne peut pas être sanctifié. On ne peut pas mener une vie de sainteté, une vie de sanctification,
Sans la parole, c'est des mensonges. Ce sera l'hypocrisie totale. Seule la parole de Dieu qui est capable de changer l'homme, de changer l'être humain, de l'amener dans la sanctification. Seul le peuple n'entend pas la parole de la sanctification. Comment ce peuple sera-t-il sanctifié? Oui, vous répondez, parce que Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Maintenant, si le peuple n'entend pas, parce qu'il y a plusieurs paroles, la parole de Dieu est large. Il y a la parole de Dieu dans la prospérité, parole de Dieu pour les mariages, parole de Dieu pour la guérison, parole de Dieu pour les salis, parole de Dieu pour la justice, parole de Dieu pour les miracles, parole de Dieu pour la foi, parole de Dieu pour la restauration. Il y en a tellement, tellement, tellement. Parole de Dieu pour le Saint-Esprit, ainsi de suite. Maintenant, chaque parole que vous entendez libère la vérité. La vérité, là, c'est ce qui sanctifie la personne. Maintenant, si le peuple n'entend pas la parole de la sanctification, comment sera-t-il sanctifié? Qu'est-ce qui va le sanctifier? Parce que la parole qu'on entend libère la vérité. Et cette vérité, c'est celle qui nous sanctifie, dit la Bible. C'est Jean 17 que j'explique là. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Amen, donc, amen. C'est la vérité qui sanctifie. Cette vérité est où? Elle est dans la parole. La parole de Dieu est la vérité. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit dans Ésaïe 45, au verset 23, il a dit, je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Mes paroles sont irrévocables. Donc, les paroles de Dieu sont la vérité. Et la vérité, c'est elle qui sanctifie. Donc, quand elle pénètre à l'intérieur de vous, quand elle rentre au-dedans de vous, elle commence à opérer son miracle. Si Amen. Vous avez entendu la parole de prospérité, évidemment, elle va vous mettre dans le chemin de la prospérité. Si vous avez entendu de la victoire, elle va vous mettre dans le chemin de la victoire. Si vous avez entendu les paroles de succès, elle vous met dans le succès. Si vous avez entendu les paroles de la sanctification, elle vous met dans la sanctification. Mais ici, Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et Jésus dit lui-même, verset 19, il dit, je me sanctifie moi-même. Donc, Jésus avait un travail, non seulement de sanctifier les gens, mais il se sanctifie aussi lui-même. Il dit, je me sanctifie moi-même. Cause de, donc, je me sanctifie moi-même. Moi aussi, je me sanctifie moi-même. Moi, je me sanctifie moi-même afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est-à-dire, si moi, prédicateur, je ne me sanctifie pas, les gens qui m'entendent, malgré les cris que je pousse, malgré les faits qui descendent, les tombées des gens, ça ne les amène pas à la sanctification. Amen. Parce que les gens ont tendance que, quand il y a la puissance des gens, non. Quelqu'un qui est tombé péché se réveille, il a toujours péché. Quelqu'un qui est tombé menteur se réveille, il est toujours menteur. À la sortie de l'église, il commence à mentir. Quelqu'un qui est tombé impunique, dès qu'il sort de l'église, ce soir, il a rendez-vous avec son copain, il va dormir avec son copain, avec sa copine. Donc, il est toujours dans le péché. Parce qu'il n'a pas reçu la parole qui parle de qu'il lâche. Mais s'il vient à l'église, il entend la parole. Il est oh, merci Seigneur Jésus. La parole qui le sanctifie. La parole qui dit non, arrête ce que tu fais. Ce n'est pas normal. Quand il entend cette parole, dès qu'il rentre ce soir-là, même s'il avait rendez-vous avec une copine, il dit je ne parle pas. Parce que j'ai entendu la parole qui m'a sanctifié. Il va entendre l'Esprit lui parler à l'intérieur de lui pour lui dire que c'est fini, arrête, arrête, arrête. L'Église est remplie de péchés. L'Église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas une Église qui est sainte. C'est une Église qui est plus remplie de péchés que les païens. Parce que les gens n'entendent plus la parole de la sanctification et n'oublient la crainte de Dieu. Ils font de n'importe quoi. Parce qu'on a mis de côté les paroles de la sanctification. Quand nous parlons de la sainteté, la dynamique de la sainteté, dans laquelle nous allons apprendre la sanctification de la sainteté, on se rendit au Seigneur. Donc, c'est très important. Alors, en réalité, pour marcher avec Dieu, nous devons marcher avec Dieu dans la sanctification et dans la sainteté.
Dans la sainteté, c'est une marche assurée qui nous fait lever la tête. Parce que tu sais que tu marches avec Dieu dans la sainteté. Hébreux 12, verset 14. La Bible nous dit dans ce texte, Hébreux 12, verset 14, il y a des textes qu'il ne faut pas échapper, il faut lire obligatoirement. Parce que ça nous aide à bien comprendre l'évangile. Hébreux 12, verset 14. La Bible nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous. Yes. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Deuxièmement, la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Écoutez-moi bien. Ici, le texte est clair. Recherchez la paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tous. Ceux qui sont autour de toi, tes voisins, tes amis, ta famille, tes collègues, tout ça. Soyez en paix avec tout le monde. Mais ne te limite pas seulement par soyez en paix, mais recherchez encore la sanctification. Sans cela, donc tu ne verras pas Dieu. Sans cela, Dieu ne se manifestera pas dans ta vie. C'est-à-dire, Dieu a besoin de la sanctification. Sans distinction des races, Dieu a besoin de la sanctification pour tous. Nous avons besoin de nous sanctifier. Il a appelé Moïse dans Exode 3, versets 4 à 5, voyant que Moïse voulait se détourner pour voir les buissons de feu qu'il voyait. Dieu lui dit, attention, ôte tes chaussures de là où tu es, ôte tes souliers, parce que la terre où tu es est une terre sainte. Donc Moïse était là depuis longtemps, il travaillait dans ce secteur, mais jamais il a su que l'espace là où il était, c'est un espace saint. Donc tu peux venir à l'église, tu peux le Seigneur, mais sans savoir que l'endroit où tu es, c'est un endroit saint. Un endroit saint plutôt. Tu peux prier le Seigneur, mais sans savoir que l'espace dans lequel tu te retrouves, c'est un espace saint. Je taquine les gens avant de rentrer à l'église. Ils sont dehors de l'église, à dehors de l'église là. Ils ne parlent pas comme je vois ici en Europe. Rien que les gens, toujours dans des murs, comme ça, comme font les Israélites, ils sont dans des murs, j'ai enseigné ça, j'ai dit, avant que tu rentres ici, mets-toi dans des murs. J'avais parlé un jour des murs de lamentation. J'ai dit, mets-toi dans des murs, là, commence à parler de tes péchés avant d'entrer dans l'église. Quand les gens rentrent à l'église, ils rentrent avec un esprit de sanctification, de paisibilité. Et quand les adorateurs adorent, vous sentez la présence de Dieu. Quand les gens élèvent le Seigneur la prière, on élève la prière, le modérateur élève la prière, ou les conducteurs qui élèvent la prière, vous sentez la prière qui vibre les gens. Vous sentez vous-même que le Saint-Esprit est en train de fusionner dans l'intérieur des gens. Mais rien que les règles de la prière qu'on avait données. Et quand c'est les adorateurs qui adorent, qu'il y ait des instrumentalistes ou pas, mais lorsque simplement les chants commencent à élever la voix vers le Seigneur, hein? La chanson de Natondio, Kolo, Alléluia, mais ils commencent à chanter Natondio, que je te loue Dieu. Mais vous sentez les gens pleurer. Ce n'est même pas le piano qui joue. Mais parce que l'esprit de la sainteté avait revêtu l'église. Aujourd'hui, j'en viens dans des églises. C'est comme ils allaient dans une fête de la cité. Ils rentrent dans la salle de l'église sans même la conscience de Dieu à l'intérieur. Or, ils ignorent que quand vous êtes déjà là, Dieu est dans la Bible, là où deux ou trois sont unis en mon nom. Moi, je suis au milieu d'eux. Déjà, il y a deux ou trois qui sont là. Dieu est déjà là. Mais là, quand vous venez, vous êtes en train de jouer. Mais vous ne comprenez pas la présence de Dieu qui est au milieu de vous à ce moment-là. C'est ça le problème qu'il y a dans les églises aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas compris. Mais Moïse était dans un endroit où Dieu lui a dit, enlève tes chaussures. Parce que l'endroit où tu es est un endroit de sainteté. Donc, sans la sainteté, tu ne peux pas être secouru par Dieu. Et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Le diable manipule les gens. Le diable manipule les gens. Il excite les gens à la haine. Il manipule les gens au mensonge.
Il manipule les gens à beaucoup de choses. Et les gens se connectent avec le péché en se déconnectant avec Dieu. Ils se déconnectent de Dieu. Ceux qui se connectent avec le péché sont déconnectés de Dieu directement. C'est ce qui se passe très souvent. Voilà. Alors, c'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est le double de la sanctification qui se manifeste dans la vie d'une personne. Je vais l'expliquer. La sainteté, c'est même le double de la sanctification. Je vais l'expliquer. Parce que la sanctification et la sainteté, des choses différentes. Parce que la sanctification, c'est se mettre à l'écart pour Dieu. Se mettre loin, se mettre à l'écart pour Dieu, afin de devenir utile à l'Éternel. Si quelqu'un se met à l'écart, si quelqu'un s'éloigne du mal, si quelqu'un se sanctifie, il devient un vase d'honneur. On parle de sanctification, 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Si quelqu'un se sanctifie, il devient un vase d'honneur. Il dit que tu te sanctifies, tu te mets à l'écart. Tu t'es loin du mal, tu t'es loin du péché, tu t'es loin du monde, tu t'es loin de beaucoup de choses. Là, tu deviens sanctifié. Ça, c'est la sanctification. Mais qui n'est pas la sainteté? C'est différent. On va expliquer. Donc, dans la sanctification, comme je l'ai dit, dans la sanctification, on se met à l'écart. Mais dans la sainteté, ce n'est pas nous qui le faisons. Mais c'est le Saint-Esprit qui libère la force, qui nous amène à mener une vie de sainteté. C'est un revêtement de la vie de Dieu en nous. C'est la sainteté. Un revêtement que le Saint-Esprit amène en nous. Cette dimension-là, quand le Saint-Esprit le revêt en vous, quand vous passez quelque part, vous n'avez même pas besoin de prier pour que les gens soient sauvés. Une fois, quand vous passez, quelqu'un vient à vous, il demande la prière, vous priez directement les miracles, parce que vous êtes dans la vie de la sainteté. C'est différent. Il est vie de blanchir. C'est la vie de sainteté. C'est ce qui s'est passé avec Paul, avec Pierre. Quand il est passé, rien que son ombre commençait à guérir les malades, il n'a pas demandé aux gens que je vous guérisse. Il y passe l'ombre, parce qu'il avait refait. Quand tu, oh my God, quand tu es revêtu de la sainteté, même ton corps, même tes vêtements, tout ce qui est en toi à ce moment-là devient saint, elle guérit. C'est pourquoi, Amen. Amen. lorsque nous entrons en paix à une autre dimension, des fois à la pêche, on monte à une dimension là, donc vous revêtez à ce moment-là la sainteté. Et vous voyez, tout ce que vous avez dans votre main reçoit l'esprit de la sainteté. Même une bouteille d'huile que vous touchez, vous n'avez même pas pris, mais vraiment la sainteté là est tombée de la chair à une dimension où même tout ce qui est autour de vous est dans là. Et reçoit la lumière de Dieu, reçoit la puissance de Dieu, reçoit la foi de Dieu, que vous soyez chrétien ou croyant, reçoit la foi de Dieu. Et si vous allez prêcher à Bumbu, ah mon Dieu, mais si vous allez prêcher à Bumbu, vers les années 2000. Je suis allé, et là, tu vois les années 2099. Je suis allé entre 99 et 2000. Je suis allé prêcher à l'église du pasteur de l'apôtre Jean Dib. Alors j'ai prêché. Quand je suis rentré, d'abord on a fait la veillée. J'ai fait une semaine de 3 jours. Et les derniers, les vendredis, on a fait les veillées. La veillée jusqu'à ça. J'ai prêché mercredi, jeudi. Et vendredi, c'était la veillée. Et dimanche, j'ai fait la clôture. La veillée, c'était tellement puissante que la puissance. Puissance était terrible. Je parlais de la puissance de la sanctification qui peut amener des miracles. C'est le thème que j'avançais. Donc, il y avait tellement la puissance, tellement la puissance. J'ai même des photos avec moi jusqu'au jour, des vieilles photos. Alors maintenant, la nuit, là, il y avait beaucoup de délivrances, beaucoup de gens qui faisaient la sorcellerie, beaucoup de sorciers. Il y avait tellement de sorciers d'église qui venaient, qui chantaient à la chorale, qui étaient dans l'équipe des mamans, qui avaient. La ville est grande, il y avait 400 membres. Il y avait beaucoup de sorciers. Et pasteur, il regardait, mais comment ça? Tellement, Dieu m'a demandé, donne le thème que tu as dit. Je vais enseigner, c'est la sainteté. J'entends enseigner, c'est la sainteté. Ah,
Quand j'ai enseigné avec la puissance terrible, beaucoup de gens étaient sauvés. Et alors, le dimanche, c'était le dernier jour. J'ai quitté ma maison à Bandal pour aller là-bas. J'ai prié. Et on était en tellement prié, on a débordé, la prière était débordante dans la maison. J'étais parti avec mes enfants de l'église. La prière était tellement débordante, j'ai pris deux, trois frères qui s'étaient partis avec moi. J'ai dit, je vais aller prêcher chez le pasteur Jean-Louis. J'ai laissé les kilts chez moi, il était tellement plein de puissance de prière. Je suis sorti, on a pris les transports, on est parti. Et que je suis descendu, et ils attendaient déjà. Là, le petit GSM venait de sortir, le vieux GSM, là, qu'on avait, le tout petit. Comment ça m'appelait? Mais, mon cambio, ça, wapi, vous êtes où, l'homme de Dieu? J'ai dit, on est dans le transport, on arrive. Et dès qu'on est descendu, c'est là, on est rentré, c'est l'église. Dès qu'on est rentré à l'église, je suis rentré, ils étaient en pleine louange. Dès que je suis rentré, je pose la clé. Dès que j'entre à l'église, la puissance commençait à s'éclater sans que je n'aie pris un mot dans le micro. Les gens sautaient, les gens criaient, les gens pleuraient, les gens tombaient au sein de l'église. Moi, j'entrais dans l'église. Et quand je suis rentré, je commençais à prier, à prier, à prier. Et puis l'homme de Dieu, l'apôtre, m'a donné un message que je prêche. J'ai dit, je ne prêche pas aujourd'hui. L'autre, j'ai prêché pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, on va demander à Dieu de nous revêtir de l'esprit de la sainteté. On n'a pas besoin de demander autre chose. Quand cet esprit va nous remplir, ça va délivrer les gens au milieu de nous. J'ai donné les textes. On a chanté, lis les textes. Sanctifiez-vous. Hein? Le troisième jour, Dieu descendra. Exode 19. Sanctifiez-vous parce que le troisième jour, Dieu descendra. C'est le texte que j'avais utilisé. Quand on a prêché et directement la puissance est descendue. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde qui passait, c'est la rue. C'est cette rue-là. Tu ne peux pas passer. Quelqu'un qui passe, s'il arrive, nous on est à l'intérieur de l'église, mais s'il arrive de l'église à l'extérieur, donc quelqu'un qui passe, tu es directement connecté à la puissance de Dieu. Tu es directement par terre, ou tu vomis, ou tu pisses sur place. Les gens qui passent en route, dimanche, les gens qui venaient de leurs églises, tout ça, et nous les qui étaient allongés parce qu'on m'attendait. Donc les gens qui pleuraient, les gens qui venaient, qui passent, c'est une rue qui est très fréquemment, parce que c'est l'arrêt de l'église. Donc, les gens qui passaient, ils tombaient, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, à l'extérieur, la puissance était débordante. À l'intérieur, débordante. J'ai dit, on n'a pas pu arrêter. Ça commençait à vers midi, vers 11h30, jusqu'à 16h, on était sous la puissance. Jusqu'à 16h, on était sous la puissance de Dieu. J'ai dit, ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Donc, tout cela pour vous montrer comment Dieu peut amener quelqu'un lorsque vous menez une vie de sanctification, une vie de Amen. sainteté. Donc, nous avons besoin de la vie de sainteté. Et la vie de sainteté va nous amener à aller plus loin avec le Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, c'est pourquoi la sanctification, elle est très importante. Devons vivre une vie de sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Donc, comme je disais, la sainteté, c'est la vie de Dieu qui descend sur nous. Elle descend pour nous transformer, pour nous changer. Elle descend pour nous amener à une autre dimension. Ça, c'est la vie de sainteté. La sanctification, c'est une vie, c'est un commandement de Dieu d'ailleurs. La sanctification, je vais commencer à donner un. La sanctification, c'est un commandement de Dieu que Dieu donne à son peuple. Exode 19. Exode 19, verset 10 à 11. Exode 19. La sanctification, je viens de dire, c'est un commandement que Dieu donne à son peuple de se sanctifier. Exode 19, verset 10. 10 à 11. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux du tout peuple sur la montagne de Sinaï. Donc ici, Dieu donne
l'ordre à Moïse de sanctifier le peuple. Le pasteur a la responsabilité d'amener le peuple à la sanctification. Le pasteur n'a pas seulement la responsabilité d'amener les gens à recevoir la vie, à recevoir les miracles, mais il doit amener les gens aussi à la sanctification. Et c'est très important. C'est pourquoi la Bible dit, va sanctifier le peuple. Le troisième jour, moi je vais descendre. Donc, il n'y a pas descente de Dieu là où il n'y a pas la sanctification. C'est des mensonges. C'est pourquoi il y a des faux miracles. Parce que quand lui-même ne marche pas dans la sanctification, il va aller chercher les ajouts par-ci par-là qu'il va ajouter dans son ministère. Soit disant, c'est Dieu qui opère. Mais ce sont des ajouts. Parce que quand déjà quelqu'un ne marche pas dans la sanctification, donc il est éloigné de Dieu, il est séparé de Dieu, il a pris des connexions avec Dieu. Comment peut-il produire des miracles? Tu peux me dire ça? Là, c'est le diable qui va l'utiliser avec des faux miracles. C'est le diable qui va l'utiliser parce qu'il est en déconnexion avec le Seigneur à ce moment-là. Il faut qu'il se rachète pour retourner vers Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que cette fois que l'Égypte tombe, cette fois que je les relève. Nous sommes des humains, nous pouvons tomber, mais il faut que Dieu nous relève pour que nous soyons attachés à Dieu. Et Dieu continue à nous relever. Et ça, c'est ce qu'il nous dit la parole. Que Dieu soit loué. Alors, la Amen. sanctification doit être un désir dans le cœur du croyant, afin de mener une vie pieuse. Un désir qui est dans le cœur du croyant, fait d'amener une vie qui est une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie pieuse. Si nous lisons Psaume 63, verset 2 à 3, David dit, dans le désert, je crie au Dieu, je désire voir ta puissance et contempler ta gloire. Donc, il faut avoir un désir à l'intérieur de nous. Et pour Psaume 42, il dit presque la même verset 1 à 2, il parle là que chaque jour, il dit à Dieu, oh Dieu, jusqu'à quand? Donc, il a soif de Dieu. Mon âme a soif de toi. Je désire te voir. Hein? Quand les gens se moquent de moi, je désire te voir. Donc, nous avons besoin par moment. Vous allez en retraite, pas seulement de chercher votre miracle, vous allez chercher la sainteté de Dieu, la sanctification avec Dieu. Vous passez devant 3 jours de jeûne et prière, vous demandez, Seigneur, je veux une vie de sainteté, une vie de sanctification. La Bible dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification. La sanctification doit être recherchée. Rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais les gens ne recherchent pas la sanctification pour voir Dieu. Mais les gens cherchent les miracles. Vous voyez bien la différence. Il faut chercher la sanctification qui amène les miracles de Dieu. Il faut chercher la purification qui amène les miracles de Dieu. Cette sanctification vient au travers de la parole que nous écoutons. Elle nous purifie, elle nous nettoie et elle nous met maintenant, elle nous donne l'accès à la purification et de l'accès au miracle qui nous attend de la part de Dieu. Qu'on soit rendu au Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin d'être sanctifiés. La sanctification enfante la joie, Amen. enfante la paix et donne l'assurance à la personne. Elle enceinte beaucoup de choses. Vous pouvez recevoir les mariages, mais vous êtes exposé à la tentation. Homme ou femme, qui vous dit que nous ne sommes pas tentés, nous, tels que nous sommes là. Nous sommes mariés, mais nous sommes tentés. Nos femmes aussi sont tentées, mais sont mariées. Vous pouvez être mariés, mais vous êtes tentés. Mais comprendre la sanctification et comprendre la sainteté de Dieu, c'est la chose qui est très importante dans la vie du croyant. Qu'on soit rendu au Seigneur. Dans la Bible, le mot saint est écrit 500 six fois ou 596 fois. Le mot saint est écrit de l'Ancien au Nouveau Testament 596 fois ou 596 fois. Et le mot sainteté est écrit 43 fois. Le mot sainteté est écrit 43 fois. Mais le mot sanctification, donc j'ai dit le mot saint est écrit 596 fois. Le mot saint, 596 fois, 596 fois. Mais le mot sainteté est écrit 43 fois.
et mon Saint-Esprit qui est 43 fois. Et le mot sanctification est écrit 136 fois. Donc, on nous parle de sanctification, on nous parle de saint et on nous parle de sainteté. Donc, il y a trois mots et que les gens confondent. On confond. Parce qu'on nous parle des mots sanctification, on nous parle des mots sainteté et on nous parle des mots saint. Trois mots qui sont différents. Et on confond. En réalité, tu ne peux pas être saint sans que tu sois sanctifié. Le mot sanctifié, c'est mettre à l'écart. C'est ça la sanctification. Être mis à l'écart, être séparé d'eux, être mis à l'écart. C'est ça la sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que tout votre être, esprit, corps et âme, soit sanctifié pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a trois dimensions de sanctification. La sanctification de l'esprit, la sanctification de l'âme et la sanctification du corps. J'explique ça. Très important. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. La sanctification de l'esprit, parce que l'esprit, c'est la partie qui permet à l'être humain de se mettre en contact avec Dieu. Si cette partie-là, elle n'est pas sanctifiée, comment allez-vous vous mettre en contact avec Dieu? Or, cette partie n'est sanctifiée que par la vérité de la parole de Dieu. Ça nous retourne dans Jean 17, verset 17. Sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, il faut qu'il y ait la parole qui rentre à l'intérieur de toi, qui sanctifie ton esprit. C'est pourquoi Hébreux 4, verset 12, nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, qui pénètre à l'intérieur de la personne pour séparer l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Donc, la parole pénètre à l'intérieur de nous, et quand nous l'écoutons là, il y a quelque chose qui rentre. Ce n'est pas les paroles que Pasteur Kazé dit qui rentrent. Mais il y a quelque chose qui rentre en vous, chacun de nous, qui sépare, qui nous sépare. Quelque chose qui rentre, qui sépare donc l'âme et l'esprit, qui sépare les jointures et les moelles. Donc ça sépare. Ce qui rentre là, c'est ce qui sépare. Ce qui convainc la personne. C'est le travail du Saint-Esprit, en fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Grâce à nous, Seigneur. Or, l'âme, c'est la partie qui se met en contact avec le monde mental. Nous sommes toujours dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. L'âme, c'est la partie qui se met en contact avec le monde mental. Et cette partie qui se met en contact avec le monde mental, cette partie-là, est composé de trois poches. J'explique. La première poche de cette partie, ce sont les pensées. La deuxième partie, ce sont les émotions. La troisième partie, c'est la volonté. Donc là où, là où on prend des décisions. Donc quand on dit que tout ton être soit sanctifié, corps, l'âme et l'esprit, quand on parle de sanctification de l'âme, sanctification de l'esprit, on vient de parler de ça. Maintenant, on est dans la sanctification de l'âme. La sanctification de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient, qui sanctifie ton esprit à la vérité que tu entends. Mais la sanctification de l'âme, c'est ton travail. Ce n'est pas le travail du Saint-Esprit. D'abord, c'est ton travail à toi. Parce que la sanctification de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient, qui connecte ton esprit à la vérité, pendant que je parle la vérité rentre en toi. Ça te touche, ça te change, ça te sanctifie automatiquement par la vérité que tu as entendue. Mais dans la sanctification de l'âme, il y a le travail du croyant. Il y a la responsabilité du croyant. Quelle est cette responsabilité? Le croyant a l'âme. Dans son âme, il y a les pensées. Dans son âme, il y a les émotions. Dans son âme, il y a la volonté. Donc, il faut que son âme, ça veut dire que dans son âme, il faut que ses pensées soient sanctifiées par la vérité qu'elle entend. Je veux dire,
Par le moment, les pensées mauvaises viennent dans nos cœurs. Quelle que soit notre sainteté, ça vient. Tu commences à penser à quelque chose qui est mauvais. Tu dis, ah non, diable, va-t'en loin de moi. Quelque chose de mauvais vient. Diable, va-t'en loin. On expose l'argent là. Tu dis, oh, au boulot, à la maison, tu n'as rien. Et regarde, beaucoup d'argent qu'on a mis là. Et peut-être si je prends un billet de 100 balles, ils ne vont pas voir. Mais des billets de 200 balles. Mais tu te dis, tu entends une fille qui te dit, non, ne prends pas. Tu laisses, tu n'as pas pris, tu es parti. Parce que l'esprit de sanctification est en train de travailler en toi. Ça travaille dans ton âme. Ça travaille dans tes pensées. Tu dis, non, je ne peux pas. Parce que mon âme ne me permet pas. Je ne peux pas. Donc là, ton âme est libérée des péchés. Ton âme est libérée du mal. Ton âme est libérée des choses. Parce que les pensées sont purifiées. Dans la dimension là, il y a la purification des pensées qui sont faites chaque jour, à chaque instant. C'est notre travail, ce n'est pas le travail de Dieu, c'est nous qui le faisons chaque jour. Je sens que je vais me dire, Seigneur, pardonne-moi. Non, je couvre mon cœur, mes pensées par le sang de Jésus. Toutes choses mauvaises qui arrivent, non, sors de moi. Je sens les mauvaises choses qui arrivent dans moi. Sors, vous commencez à chasser les mauvaises choses qui commencent à se développer en vous. Parce que les pensées là arrivent. Et lorsque vous ne les chassez pas, maintenant la Bible dit que quand les tentations arrivent, ça arrive parce que vous avez cédé et vous êtes amorcé par ça et vous tombez par ce désir. C'est le Jacques. Jacques nous dit ça. Donc, quand les tentations arrivent, cela arrive parce que nous avions cédé et ça nous attire. Nous sommes attirés vers ça et directement, nous tombons dans ce péché-là parce que nous avons cédé à nos pensées. Nous avons cédé à nos pensées. Alors, nous avons besoin de la purification des pensées. Pour que les pensées soient purifiées, on a besoin de la parole. Quand vous sentez de mauvaises choses commencent à arriver, vous dites, non, Seigneur, toi-même, tu as dit, prends garde. Hein. Toi-même, tu as dit, fais attention à ce qui est à l'intérieur de toi, parce que ce qui est à l'intérieur sont les sources de ta vie. Non, Seigneur, je refuse. Tu commences à dire, non, mon âme, ne me mène pas dans les péchés. Non, mes pensées, éloigne-toi des péchés. Nous sommes dans des mondes où nous sommes exposés partout. Nous sommes comme les femmes. Nous sommes exposés dans plusieurs choses. Mais, il faut quand tu sens ces choses s'élever dans ton cœur, directement tu fais appel à la parole du Seigneur de venir te purifier, à la parole du Seigneur d'agir en toi. Et tu commences à t'éloigner. Surtout quand tu as des promesses, comme Joseph, tu commences à t'éloigner de toute offre qu'on te donne, qu'on te présente. Tu éloignes des offres qu'on te présente parce que tu sais que ça va empêcher mon accès au trône. Et c'est ça la vérité. Donc, et ça, nous devons comprendre cette dimension-là. Et la sanctification de l'âme, toujours, il y a une troisième dimension, la sanctification de vos émotions. Or, les émotions sont difficiles d'être retenues, sont difficiles d'être calmées, parce que les émotions, c'est eux qui nous amènent c'est les émotions qui nous amènent à nous enflammer. Parce que les émotions, ce sont les sentiments en fait. Ce sont les sentiments de joie, sentiments de tristesse, sentiments de colère, sentiments de haine, sentiments d'animosité, sentiments de jalousie. Tous ces sentiments-là ne doivent pas nous dominer. Mais nous devons laisser la parole de Dieu prendre contrôle de notre intérieur, afin que les sentiments, les émotions soient contrôlés par la parole de Dieu. Et quand nos émotions sont contrôlé par la parole, vous allez voir que certaines choses qui peuvent vous arrivez à les dominer parce que les paroles de Dieu sont en train d'agir en vous. C'est pourquoi Job a dit dans Job 31, verset 1, il a dit, j'ai fait un vœu à l'Éternel de ne pas fixer mes regards vers une jeune fille. Parce qu'il a senti ça. Mais il a dit, j'ai fait un vœu à l'Éternel. Et David n'a pas fait ses vœux. Ce qui fait qu'il était par la fenêtre, il a vu la femme de Troie en train de se laver. Et la femme de son serviteur, il, directement, il a pensé à sortir avec. Vous voyez? Parce que les sentiments ont été emportés par ce qu'il a vu. Donc, tout ça, c'est la sanctification de l'âme dont j'ai parlé. Et la sanctification du corps, c'est notre corps que vous ne devez pas. Vous devez empêcher votre corps de vous amener dans ce que vous ne voulez pas. Il y a de certaines exigences que le corps nous impose. Si vous les suivez, ça vous détruit. Mais vous dites au corps, non. Je te dis non, reste calme. Il faut parler avec ton corps. Il faut prier pour parler avec ton corps. Le corps, parce qu'on a l'habitude de prier, Seigneur, aide-moi. Non, non, non.
Il faut parler avec ton corps. On doit parler avec son corps parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Dans notre intérieur, il y a l'esprit et l'âme. Le corps est à l'extérieur. C'est ce que nous voyons. Le corps, c'est la partie qui te met en contact avec le monde physique. Alors, il faut parler à ton corps. Mon corps ne m'amène pas au mal. Mon corps ne m'amène pas au danger parce que si ton corps est détruit, donc tu ne vas plus accomplir le but de Dieu, le plan de Dieu, parce que le corps est déjà détruit. Pense à Dieu, Seigneur. Donc, ça, c'est la sanctification dans tous Amen. les aspects dont je viens de parler là. La sanctification dans ces trois aspects. Donc, la sanctification vient lorsque vous cherchez le Seigneur. La sanctification vient aussi lorsque vous évitez tout ce qui est mauvais. Nous devons éviter d'être comme des pharisiens qui sont des hypocrites. Selon Matthieu 23, la Bible dit, Jésus avait dit aux pharisiens, vous nettoyez l'intérieur, l'extérieur plutôt, vous laissez l'intérieur, tombeau blanchi. Vous êtes comme des tombeaux blanchis. Hein? Vous nettoyez l'extérieur, vous avez embelli l'extérieur avec des peintures, mais à l'intérieur de vous, donc il y a que des ossements desséchés, que des rapines, que des mauvaises choses. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 23, verset 25 à 28. Donc, ça, nous voyons comment les pharisiens venaient auprès du Seigneur, faisant semblant d'être justes, mais en fait, à l'intérieur, ils étaient des hommes vraiment qui étaient très mauvais, des pécheurs. Et c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Les pasteurs peuvent faire semblant d'être un pasteur simple, un pasteur qui aime Dieu, un pasteur qui aime Dieu. Mais chacun se connaît ce qu'il est à l'intérieur de soi, bien-aimé. Chacun de nous se connaît dans quelle dimension il est faible, dans quel aspect il est faible. Nous tous, nous nous connaissons tels que nous sommes là. Vous ne pouvez pas ignorer ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Impossible. Vous connaissez aussi votre faiblesse. Vous savez que dans ça, je suis faible. Dans ça, chacun sait là où il y a la faiblesse. Et bien, il faut travailler là où tu sens qu'il y a de la faiblesse. Donc, chacun connaît sa faiblesse. Chacun connaît l'aspect où il sent que ça l'amène, ça l'emporte. Cet aspect-là. Pour d'autres personnes, c'est la faiblesse de l'alcool. D'autres, c'est la faiblesse de l'argent. D'autres, c'est la faiblesse des hommes. C'est la faiblesse des femmes. C'est la faiblesse des mentir. Tout ça. Donc, chacun connaît la faiblesse. Donc, il faut aller du côté où tu sens que c'est faible. Tu travailles ce côté-là. C'est ce côté-là qui peut chercher la sanctification. Et c'est très important. Que Dieu soit loué. Et l'Église ne prêche plus ça. C'est ça les dangers. C'est ça les dangers. Donc, la sainteté vient lorsqu'on cherche la gloire de Dieu. Lorsqu'on cherche tout ce qui donne gloire à Dieu, la sainteté peut venir. La sainteté nous amène à l'étable de Dieu, étable de la justice, étable du salut. La sainteté nous amène là-bas. Lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, lorsque nous marchons dans la sainteté de Dieu, Dieu nous amène là où nous pouvons y aller. La sainteté aussi donne accès. Nous donne l'accès à Dieu, nous donne l'accès dans la présence de Dieu. Quand nous montons dans la présence de Dieu, la sainteté nous donne l'accès à la présence de Dieu. La sainteté nous amène à entrer à la montagne de l'Éternel, à entrer dans la présence de l'Éternel. Vous dites que quand vous montez à l'église de la présence de Dieu, vous êtes monté dans la présence de l'Éternel, vous êtes monté dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que quand deux ou trois se réunissent en mon nom, ils sont, Dieu est au milieu d'eux. Mais tu peux monter à la montagne de l'Éternel, dit la Bible. Celui qui a les mains innocentes. Celui qui est pire. Proverbe 24. Et Psaume 24, pardon. Psaume 24. Verset, je vais vérifier le texte. Verset 3 et 4. Psaume 24, verset 3 et 4. Nous allons dire, bon, nous tous, nous montons dans la présence de Dieu. Non, 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 non. Qui montera? Psaume 24, verset 3 déjà. 3, 4. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui élèvera les mains jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne se livre pas, qui livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Il obtient la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà ce que Dieu nous dit. Il peut monter. Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a le cœur pur.
C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. C'est lui qui n'agit pas pour tromper. Donc c'est celui-là qui monte. C'est celui-là qui monte. Mais quand les gens viennent à l'église, il vient avec les mensonges même dans les lèvres avant d'entrer même à l'église. Une fois même en pleine église, il est en train de mentir à ses amis, à ses collègues, s'il vous plaît. Donc, tout ça, ils ne peuvent pas monter dans la planète parce que Dieu est saint. Ce qui monte auprès de l'être saint, il a dit à Moïse, enlève tes souliers parce que l'endroit que tu es, c'est une terre sainte. Parce que Dieu était là. Là où Dieu pose les pieds, ça devient saint. Si Dieu descend dans votre église, l'endroit là, Dieu, l'endroit là devient saint. Ce n'est pas parce que c'est un hangar. Non. C'est un endroit qui est devenu saint parce que Dieu descend là-bas. Même si c'est un entrepôt. Dieu descend là. C'est un endroit saint. Là où je vous place là, c'est un endroit saint. C'est là où je fais mes émissions. C'est là où je fais tous mes travaux de l'église. C'est là où il y a les studios de les studios de la radio Canal Ville Nouvelle. C'est là où il y a tout. Donc c'est un endroit saint. Je n'ai pas de fois de temps de prière ici. Donc la chose, on ne peut pas venir ici. On ne veut pas. Parce que c'est un endroit qu'on a consacré à l'Éternel. Comme un espace où nous venons chercher le Seigneur, faire des prières, ou passer des émissions à la radio ou à la télé, donc devant le Seigneur. C'est un endroit que nous avons rendu saint pour l'Éternel. Et c'est très important. Que Dieu soit loué. Donc, la sainteté est quelque chose qu'on doit chercher. Alors, quelles sont les voies à suivre pour aller dans la sainteté? Quelles sont les voies que nous devons suivre pour aller dans la sainteté? Les voies que nous pouvons suivre. Quelles sont les voies qui nous sont importantes, qui peuvent nous amener dans la sainteté? Nous allons lire le livre d'Ésaïe 8, verset 23. C'est le dernier verset d'ailleurs. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Si la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés sont couverts de l'ombre, l'opprobre plutôt, les temps, les pays des Zabulon et des Nephtali, les temps à venir couvrira de gloire la contrée voisine de la mer au temps du Jourdain, les territoires des gentils, gloire soit rendue au Seigneur. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé était comme ça, mais le temps dans lequel nous sommes maintenant, ça ne sera plus ainsi. Pourquoi ça ne sera plus ainsi? Parce que le Fils de la lumière est venu. La réponse est au chapitre 9 maintenant. Allons au chapitre 9, maintenant, verset 1. Chapitre 9, verset 1. Il dit, verset 1er, les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. C'est ceux qui habitent les pays d'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes la grande joie. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris dans les graisses au partage du butin. Les peuples qui étaient dans les ténèbres, les peuples qui vivaient, d'ailleurs, le joug qui pesait sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui lui opprimait, qui le brise comme la journée des Madians. Donc ça, c'est Jésus qui parle. Dans ça, on parle de Jésus, pardon, de l'arrivée de Jésus. On dit d'abord au verset 23 que le temps à venir, le peuple, la terre, le peuple qui marche dans les ténèbres ne marchera plus dans les ténèbres. Au verset 9, on explique la raison. Pourquoi? Parce que la lumière doit venir. Qui vient avec la lumière? Parce que c'est lui qui doit venir avec la lumière est venu. C'est le Seigneur Jésus. Il vient avec la lumière, viendra. Et quand lui vient, il enlève les ténèbres, il enlève tout ce qui est sombre dans la vie des gens pour que les gens marchent dans la lumière. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Voyez, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous n'êtes pas les ténèbres, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi vous êtes la lumière du monde? Parce que celui qui est la lumière est venu vers vous. Et comme Amen. celui qui est la lumière est venu vers nous, nous l'avons reçu,
Nous devons marcher maintenant dans la lumière. Nous sommes Amen. dans le jardin. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Dieu est avec la parole. Donc, lisez Jean 1 jusqu'au verset 12, vous allez voir. Il était la lumière. Donc, il est la lumière qui est venue vers nous. Et en les recevant, nous sommes devenus sur la lumière. C'est pourquoi Matthieu 5 dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la Amen. lumière du monde parce que la lumière du monde jaillit en nous. Et si nous sommes la lumière du monde, nous ne devons plus marcher dans les péchés. Nous ne devons plus marcher dans les ténèbres. Nous devons manifester les œuvres de la lumière. Amen. Jésus était la lumière, il manifestait les œuvres de la lumière. Jean aussi était la lumière, il manifestait les œuvres de la lumière. D'ailleurs, Jean 5, verset 35, la Bible dit que Jean était la lumière et vous avez voulu vous réjouir sur sa lumière. Le Jean était la lumière. Vous avez voulu vous jouir sur sa lumière. Il était la lampe qui brille. La Bible dit qu'il était la lampe qui brille. Et vous avez voulu vous jouir sur sa lumière. Donc, nous sommes la lumière. Et si nous sommes la lumière du monde, donc nous devons refléter la vie de la lumière sur la terre. Nous devons refléter la vie de la lumière sur la terre afin que ceux qui nous voient puissent voir la lumière. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne sommes pas comme une lampe allumée, comme mise sur les lits ou sur les boissons, mais nous sommes une lampe allumée qu'on va mettre au-dessus. Et ça, c'est Matthieu 5, Matthieu verset 15. Verset 16, il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu, votre Père qui est dans les cieux. Donc, nous sommes réellement la lumière. Alors, le voie que nous pouvons utiliser pour arriver à la sainteté, c'est la lumière que nous devons utiliser. Premièrement, mettre Christ au centre de votre vie, comme Seigneur et Sauveur. Le Christ qui doit vivre en nous comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, quand Christ vient en nous, d'abord, premier, quand Christ vient en nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous éclaire de nos ténèbres. C'est ce que vous venez de lire dans Ésaïe 8. Ésaïe 8 ou Ésaïe 9. Tous les deux textes. Donc, il vient de nous éclairer de nos ténèbres. Il enlève tout ce qui est ténèbres. Parce qu'il est dit dans Colossiens 1, verset 13, il nous a fait quitter le royaume des ténèbres. Il nous a mis dans le royaume de son Fils bien-aimé, de la lumière. Donc, nous sommes fils de la lumière. Nous ne sommes pas fils des ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous avons quitté le royaume des ténèbres. Nous avons été mis dans le royaume de la lumière. Là, nous devons jouir de la lumière. Quand on parle de ça, souvent les gens voient seulement de la délivrance, oui, de la délivrance dedans. Mais nous devons quitter la vie ténébreuse, la vie astucieuse, les choses cachées là. Nous devons les quitter pour aller dans la vie de Dieu. Il faut que votre conscience parle. Il faut que votre cœur vous parle. Il y a une sentinelle qui peut veiller sur chacun de nous. C'est la voix de la conscience. Il faut que ma conscience parle. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Chroniques, 2 Corinthiens, pardon, 2 Corinthiens, je vérifie, 2 Corinthiens 2, je pense, je vais vérifier. Ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Donc, que nous marchons vis-à-vis de Dieu dans la crainte de tout ça. Donc, il faut que nous marchions dans la vie, dans la crainte. Il faut que nous marchions dans la justice. Il faut que nous marchions dans la miséricorde. Quand nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire que malgré nos prières, ce sont des prières qui ne sont pas agréables à Dieu parce que nous ne marchons pas dans la crainte. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Chroniques, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 12, il dit, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point comme avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Pardon, quel verset là, s'il vous plaît? 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12. Tu as vu? 2 Corinthiens, Oui. voilà. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12. Donc, l'apôtre Paul dit que ce qui fait notre gloire,
C'est le témoignage de notre conscience. Il faut que ma conscience me parle. Quand la conscience ne me parle pas, c'est-à-dire qu'il y a un problème. La conscience doit te réprimander. La conscience doit te parler. Quand le Saint-Esprit agit en vous, quand le Saint-Esprit parle en vous, parce que la conscience aussi vous parle. Quand vous voyez l'argent d'autrui à côté, vous voulez prendre, est-ce que la conscience vous parle? Quand vous ne payez pas la dîme, est-ce que la conscience vous parle? Quand vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, et la conscience vous parle. Quand vous sortez avec un monsieur, quand vous sortez avec une femme, est-ce que la conscience vous parle? Parce que la policière qu'on a mise à l'intérieur de chacun de nous, c'est la conscience. C'est elle qui doit nous contrôler. Mais si la conscience ne parle pas, c'est que votre conscience est morte. Donc vous êtes mort à ce moment-là. Il y a la mort spirituelle à ce moment-là. Il faut alors que la parole vienne vous réveiller. Pour vous réveiller. Parce que la conscience ne parle pas. Nous avons besoin des gens qui vivent une vie de sanctification. Qui se conduisent avec sainteté. C'est très important. Donc, par là, nous voyons que il faut recevoir d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur. Colossiens 1, verset. Colossiens 1, déjà, nous parle que nous quittons le royaume des ténèbres, nous allons dans le royaume de la lumière. Verset 13. Donc, vous recevez Jésus comme votre Seigneur Sauveur. Sa lumière vient en vous. Ça commence à vous sortir de la voie où vous êtes pour faire rentrer dans le chemin de la sainteté. C'est un chemin. C'est un travail de tous les jours. Et deuxièmement, la voix de la conscience doit nous parler chaque jour. Quand j'écoute une parole, quand j'entends quelque chose, la voix de la conscience me parle. La voix de la conscience me parle quand je suis quelque part. Quand je sors, je quitte mon quartier pour aller par là vers Bissé, je monte dans des trains. Des fois, vous voyez des femmes qui s'habillent mal. Mais nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des anges. Même les anges ont été tentés. Vous sentez quand même quelque chose de mauvais à l'intérieur. Pourquoi c'est habillé comme ça? Vous tournez le regard ailleurs, il y a une autre qui est comme ça. Et vous commencez à prier, Seigneur, que ma conscience ne regarde plus ça. Nous ne ferons pas le sang de Jésus. Tu commences à lire ça de la Bible, soit tu commences à écouter une chanson, soit tu écoutes, pour que tout cela passe, tu commences à parler toi-même à l'intérieur de toi. Et tu vas voir, même si tu ne le vois pas, tu ne le verras plus. Tu sens comme il n'y a rien, parce que la voix de la conscience a agi. Et la conscience a fait disparaître ça à l'intérieur de vous. C'est simple, non? Ce sont des exercices à faire chaque jour. La conscience a fait disparaître ça. Vous voyez? Et c'est des choses que nous devons demander chaque jour. Donc, la voix de la conscience, c'est très important. Et troisièmement, pour aller dans la sainteté, il nous faut de l'amour envers les uns et les autres. Dieu est amour. Celui qui veut marcher dans la sainteté de Dieu doit marcher aussi dans l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu n'est pas en vous, l'amour de Dieu ne se manifeste pas dans votre intérieur, vous ne sentez pas l'amour de Dieu, cela veut dire que il y a quelque chose d'autre qui vous pousse. Parce que Dieu est amour. Il nous faut que l'amour de Dieu se manifeste en nous. 2 Corinthiens 5, non, attendez. 2 Corinthiens 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14. Voilà. Ah, l'amour du Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, c'est-à-dire que l'amour de Jésus doit nous pousser. Quand l'amour du Christ vous pousse, l'amour du Christ nous pousse à gagner les âmes. L'amour du Christ nous pousse à donner à Dieu. L'amour du Christ nous pousse à aimer nos prochains. L'amour du Christ nous pousse même à aimer même ceux-là qui ne nous aiment pas. L'amour du Christ nous pousse même à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. L'amour du Christ est en train d'agir en nous. Elle travaille en nous. Et cet amour nous amène maintenant à marcher dans la crainte de Dieu. Cet amour nous amène à rentrer dans la profondeur de Dieu. Cet amour de Dieu travaille à l'intérieur de nous et nous communique la vie du Christ. Parce que l'amour du Christ communique la vie du Christ. Elle nous presse à l'intérieur de nous.
Elle donne la sensation de faire du bien. Elle donne la sensation d'aider les gens. Elle donne la sensation de penser aux autres. Elle donne la sensation de bouger, d'aller à l'église, de chercher Dieu, d'entrer dans des retraites, d'aller à l'église, de chercher les âmes perdues, de toucher les âmes qui sont en difficulté, de prier pour les gens qui sont perdus. Aujourd'hui, les gens, quand vous allez en retraite, de quoi prient-ils? Ils prient que pour eux-mêmes. C'est pourquoi l'église n'a pas la force. Ils prient que pour eux-mêmes. Ils ne prient pas pour les autres. Ils ne prient pas pour les âmes qui périssent. Au contraire, ils sont contents de balancer leurs péchés à l'Internet. Ils sont contents de balancer les péchés du pasteur à l'Internet, mais ils ne prient pas pour les pasteurs là. Ça montre qu'on n'a pas l'amour. Quand on a l'amour, on ne balance pas les péchés de quelqu'un à l'Internet. On prie pour lui. On demande au Seigneur de l'aider. Et c'est ce qu'on fait. Dieu soit loué. Voilà. Et la beauté de la sainteté. La beauté de la sainteté. La sainteté produit la beauté des êtres humains. Une vie de sainteté attire la beauté brillante sur les croyants. C'est-à-dire, ce n'est pas la beauté de maquillage que vous faites, mais une beauté spirituelle qui attire la brillance en vous, la couverture spirituelle qui marche avec vous. Parce que vous marchez dans la sainteté de Dieu. On peut voir, trouver un verset. Nous sommes 54, verset 2. Verset 2. Nous sommes 54, verset 2. On peut lire un verset là. Que moi, que Dieu est couvert par la sainteté, par la lumière. Hein? Il est couvert par une épaisse lumineuse. Et nous aussi, nous devons, quand nous marchons dans la sainteté, c'est la même chose qui se passe pour nous aussi. Nous sommes couverts de cela. La Bible dit, ici, je vais lire verset 1, verset 2. L'Éternel, je vais lire verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Mon Dieu, tu es infiniment grand. Écoutez, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Dieu est revêtu d'éclat et de magnificence. Si je marche avec Dieu, je serai aussi revêtu de l'éclat et de la magnificence. Merci Saint-Esprit. Si je marche avec le Seigneur, selon sa parole, selon son ordre, selon son mouvement, donc je marche dans la sainteté. Je marche dans l'éclat et la magnificence. Je serai revêtu de l'éclat et la magnificence. Verset 2, il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Et il étend le ciel comme un pavillon. La Bible dit que Dieu s'enveloppe de la lumière. Dieu est enveloppé de la lumière comme un manteau. Donc, Dieu a pour vêtement, a pour manteau la lumière. La lumière, c'est son vêtement. La lumière, c'est son manteau. La Bible dit qu'il est revêtu d'éclat. Il est revêtu de la lumière. Il s'enveloppe de la lumière. Or, quand nous marchons dans la crainte de Dieu, quand nous marchons dans la sanctification de Dieu, quand nous marchons dans la parole de Dieu, nous serons revêtus de la lumière de Dieu. Nous serons couverts de la sainteté de Dieu. Donc c'est ce qui fait que la lumière là qui brille en nous, nous fait briller et nous fait rajeunir. Elle nous fait rajeunir et elle nous fait briller parce que la lumière nous enveloppe. La lumière de Amen. Dieu doit se rendre au Seigneur. Amen. Et cette lumière nous rajeunit spirituellement, nous Amen. rajeunit à l'intérieur de nous, et nous rajeunit de force physiquement. Les gens vous voient, ils s'étonnent de votre âge, parce que la lumière à l'intérieur de vous est en train de travailler. Il vous rajeunit. Il vous rend encore jeune. Abraham était dans les 100 et quelques, comme il marchait avec Dieu. À 100 ans, il a eu l'enfant. Il était comme un jeune. À 100 ans, il avait la force de combler un homme de 30 ans pour donner la grossesse à sa femme. Amen. Pourquoi? Parce que la lumière là, il fait rejaillir, la fait rajeunir. D'ailleurs, la Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel, lisez pour Psaume 91 ou 91, vous lisez, là, Dieu les rajeunit même, Dieu le fortifie. Même pour Psaume 92, Dieu donne la force à ces gens-là, ils rajeunissent même dans leur vieillesse, ils ont la force toujours. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de les rajeunir. Que Dieu soit loué. Donc, Dieu amène le rajeunissement à ceux-là qui amènent une vie de sainteté.
Donc, la vie de sainteté rajeunit notre corps, rajeunit tout. C'est pourquoi notre corps est comme le temple, pas comme, mais c'est un temple du Saint-Esprit. Il a besoin d'une vie de sainteté. Il a besoin d'une vie de sainteté. Dieu ne peut pas résider là où il y a la saleté. Dieu réside là où il y a la sainteté. C'est là où Dieu veut habiter. Parce que Dieu a fait de nous comme une maison qui brille, une maison qui éclaire. Nous avons déjà lu ça dans Matthieu 5, verset 16, mais 14 à 15, dit, vous êtes une maison qui est bâtie sur la haute montagne. Nous sommes une maison à laquelle Dieu veut que les gens voient. Ça de loin, mais Dieu veut nous voir. Dieu veut que les gens nous voient. Nous sommes bâtis sur la lumière de Dieu. Et nous sommes posés au-dessus de la montagne. La lumière brille, tout le monde nous voit. Et c'est comme ça que Dieu est en train de nous amener. Donc, Dieu est la lumière, la Bible dit dans 1 Jean 5, d'ailleurs, que Dieu lui-même est la lumière. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. 1 Jean 1, verset 5. Le Dieu est la lumière. Comme il est la lumière, nous qui croyons en lui, nous devons aussi être la lumière. Donc, Lumière. chercher la sainteté. La sainteté doit nous couvrir. La lumière de Dieu doit nous couvrir entièrement. Et là, nous allons voir que Dieu travaille avec nous. Que Dieu soit loué. Il nous reste 30 minutes. Amen. La nature du péché. La nature du péché. Le péché, c'est la rébellion contre l'amour de Dieu. Le péché, c'est la rébellion contre l'amour que Dieu a manifesté sur nous. Le péché, c'est la désobéissance aux ordres de Dieu, aux commandements de Dieu, aux exigences que Dieu nous impose. Le péché aussi, c'est l'injustice que nous faisons à d'autres. Le fait de mener une vie qui n'est pas correcte, c'est l'indiscipline. Tout ça, c'est du péché. Être indiscipliné, c'est du péché. Le fait de beaucoup parler des choses qui ne sont pas appropriées, qui ne sont pas utiles, tout ça, c'est du péché dans la vie de l'être. Le fait de penser mal contre quelqu'un, c'est un péché. Le fait de dire, de faire un mauvais témoignage, c'est un péché. Le fait de dire un mauvais jugement sur quelqu'un, la chose n'est pas telle que toi tu le penses, mais tu le juges comme ça dans ton cœur. Tu pèches sans le savoir. Le fait de convoiter les biens d'autrui, de convoiter même une femme convoite un homme, c'est déjà un péché. Bon, le péché a plusieurs formes. Il a plusieurs formes dans la vie d'une personne. C'est pourquoi nous avons besoin de mener une vie de piété, une vie de sanctification, afin que par la vie de sanctification, nous puissions nous éloigner du péché. Nous sommes des êtres humains avec notre faiblesse, mais nous pouvons toujours demander au Seigneur de nous aider, de nous soutenir dans nos faiblesses, afin que nous puissions nous éloigner du péché. La Bible dit à 1 Jean 5, verset 17, toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc, toute iniquité est un péché. Nous savons, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point, mais celui qui est né de Dieu s'égare lui-même et les malins ne le touchent pas. Donc, si quelqu'un touche, quelqu'un pêche, il pêche lui-même. Ce n'est pas les malins qui l'a fait pécher, mais c'est lui-même parce qu'il s'égare par la tentation, par les épreuves qui amorcent son cœur. Vous voyez ce que nous dit la Bible? Donc, c'est par les sentiments qui amorce son cœur qu'il est parti faire ses péchés. Le péché, ça détruit. Quand vous lisez Genèse 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8e, vous allez voir que Adam et Ève plutôt convoitaient les fruits. Hein? Verset 6, il a convoité les fruits. Il a mangé ses fruits sans avoir demandé à son mari qui était son responsable direct. Et là, il était déjà dans le péché. Et le péché les a privés de la gloire de Dieu, les a séparés du jardin du bonheur. Donc tout péché nous sépare du jardin du bonheur que Dieu a préparé pour nous. Tout péché nous éloigne du jardin du bonheur. Nous sommes une école qui enseigne la sainteté, la sanctification, afin d'être utilisés par Dieu comme des instruments
Parce que nous avons besoin que Dieu nous utilise, que Dieu se sert. Amen. Nous Amen. sommes les canaux par lesquels Dieu passe pour amener le salut à d'autres personnes. Donc nous avons Amen. besoin que Dieu puisse nous utiliser. Voyez donc, nous avons besoin de la sainteté. Hein? Nous avons besoin de la sainteté. Je vais lire un verset de la Bible. Romains 3, verset 11, je vais aller jusqu'au verset 12. Ni n'est intelligent, ni ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est ainsi plus qu'ouvert. Un serpent, ils servent plutôt de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Donc, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et les malheurs sont sur leur route. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. La crainte de Dieu n'est pas dans leurs yeux. Jusqu'au verset 18. Donc, ça, le Seigneur est en train de parler de comment les gens, lorsqu'ils sont dans les péchés, qu'est-ce qui se passe? Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. La Bible dit, leur bouche ne sort que du péché, leurs pieds ne courent qu'au péché, et leurs pensées, c'est toujours le péché, le fait du mal. Donc, ils ont toujours l'amertume dans leur cœur, la malédiction les remplit, et dans leurs lèvres, ils ont des venins. Si tu parles de quelque chose, c'est un venin pour te piquer, tout ça. Ils sont comme des petits serpents. Donc, ils ont la bouche, quand ils ouvrent, ils libèrent des serpents. Donc, quand ils ouvrent la bouche, c'est pour libérer les serpents qui vont aller piquer. Donc, tout ça est déjà comme ça. Ils ne font même pas de bien. Ils ne connaissent même plus le chemin du bien. Ils sont pervertis. Ils sont égarés. Alors, tous ces gens qui font tout ce genre de choses, qui ne sentent pas quand ils prennent une jeune fille, ils partent avec. Ils ne sentent pas quand ils prennent l'argent d'autrui, ils partent avec. Ils ne sentent pas quand ils font quelque chose de mauvais. Donc, ils ne sentent rien à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est déjà égaré. La Bible dit qu'il est déjà égaré. Ne vous inquiétez pas. C'est une personne qui est déjà pervertie. Il est déjà perverti et égaré parce qu'il ne sait pas qu'il fait mal. Donc, il ne se souvient même pas qu'il fait mal. Pour lui, c'est tout à fait normal. Alors, tout ça, c'est le signe des personnes qui sont dans le péché. Parce qu'ils marchent dans le péché. Donc, tout ce qui est bon, ils ne le font pas, mais ils se focalisent dans ce qui est mauvais. Donc, le péché demeure en eux. Le péché vit avec eux. Or, le péché, omet la bénédiction. Le péché omet, donc démettre. Je vais utiliser même pas démettre. Le péché démet la bénédiction qui était en nous. Ou le péché est en train de mettre à l'écart la bénédiction qui est en nous. Nous devons prier pour que Dieu nous écarte du péché et nous amène dans la vie de la sainteté. Alors nous passons aux trois dimensions du péché. Les trois dimensions du péché. Les trois dimensions du péché sont le péché d'abord est menteur. Donc, tout péché amène les mensonges. Le péché est, je dis bien, le péché est menteur. Le péché amène les mensonges. Le péché amène la tromperie. Le péché amène tout ce qui est mauvais dans la vie de l'être humain. Donc, le péché, la première dimension du péché, elle vient avec les mensonges. Et il y a les jeunes qui disent souvent, les mondes qui disent souvent, la vérité monte dans l'ascenseur. Et je sais pas, je crois que c'est ça. La vérité monte dans les ascenseurs et puis les mensonges dans les escaliers. Non, les mensonges montent dans les ascenseurs, la vérité dans les escaliers. Donc, et quelque part, cette expression n'est pas du tout mensongère, pas la vérité non plus, mais ce sont des réalités. Donc, souvent, la vérité ne sont pas pris à corps, ne sont pas vraiment pris à main. Et les gens prennent plus les mensonges de ce qu'ils trouvent comme vérité. Et la vérité de la parole, ils ne les prennent pas comme une vérité. Et c'est ce qui fait que ça amène la tromperie aux gens. Vous voyez, donc, la vérité trompe. Les péchés plutôt trompent. Les péchés amènent la tromperie. Comme
la femme de Potiphar voulait séduire Joseph. De tout ça, c'était la tromperie. S'il avait osé, il allait même rater sa place que Dieu lui avait préparée. Donc, le péché a pour première dimension d'amener l'homme dans la tromperie. C'est pourquoi vous allez voir dans Matthieu 4, même dans Luc 4, les deux chapitres, Luc 4, Matthieu 4, versets 1 à 10, 1 à 10, la tentation de Jésus, le diable est venu avec les versets pour tenter Jésus. Il présente le monde en disant, si tu t'inclines devant moi, je te donnerai tout ce monde que tu vois là. Tu vois le monde, les belles femmes, les belles maisons, tout le plaisir que tu vois dans le monde, c'est à moi. Si je t'incline, moi, je te donne ça. Vous voyez, le diable est venu avec les mensonges, mais qu'il a pris dans un verset de la Bible. Vous voyez? Il a dit, si tu te jettes par terre, ton père va envoyer des anges qui vont te prendre en main, tu ne vas pas toucher la terre. Tout ça, il a pris les versets de la Bible. Mais c'est des mensonges qu'il dit à Jésus. C'est une fausse vérité, en fait. Il disait le logos, mais ce n'était pas le rhéma. C'est le logos qu'il disait à Jésus, pas le rhéma. Jésus avait le rhéma. Il lui a dit, il est écrit aussi. Tu ne vas pas t'incliner devant Dieu. Il est écrit aussi. L'homme ne vivra pas seulement du pain, de toute parole qui vient de la part de l'Éternel. Vous voyez, tout ça pour vous montrer comment le diable est venu avec le mensonge. Quand il est allé vers Ève, c'est avec le mensonge qu'il a dit. Est-ce que Dieu a-t-il dit vraiment? Si tu manges de ce fruit, tu mourras, Dieu sait. Non. La femme dit, oui, il a dit, si je mange et j'en touche, si nous en mangeons, nous en touchons, nous mourrons. Déjà, il a compris, il a dit, ah, il ne connaît pas la vérité de cette femme. Dieu n'a pas dit si tu en touches. Si tu as dit, si tu en manges, tu mourras. Mais toi, tu dis, si tu en touches. Donc, il ne connaît pas bien. Donc, je vais le tenter. Il a dit, non. Il a dit, c'est là parce que vous allez devenir comme lui. Essaye seulement. Prends seulement une fois. La Bible dit, dans Genèse 3, verset 6, Ève voyait que le fruit était bon à manger. Il a pris. Parce qu'il voyait déjà que le fruit était bon à manger. Il a pris. Il convoitait. Tout ce que toi, tu vois qui est bon, le diable va te présenter. Il va te le présenter. Parce que tu vois que c'est bon. Il va te tenter par là. Là où tu sens tes faiblesses, c'est là où le diable va te tenter. Le diable ne te tente pas là où il sent que toi tu es fort. Il va te tenter l'aspect que tu sens que tu n'es pas fort. C'est l'aspect qui va te tenter. Ou te séduire. C'est comme ça qu'il fait les choses. Dieu soit loué. Vous voyez? Donc, ça, c'est des choses qui se passent dans la vie déjà. Donc, la première dimension, c'est les mensonges que les péchés amènent. Parce que le diable lui-même, c'est le père des mensonges. Jean 8, 44. La Bible dit qu'il est le père des mensonges. Vous êtes comme votre père, le diable, père des mensonges. Jean 8, 44. Donc, il est le père des mensonges. Et deuxième dimension du péché, le péché donne le plaisir temporaire. Le péché amène le plaisir temporaire dans la vie d'une personne. Le péché amène le plaisir temporaire dans la vie d'une personne, c'est-à-dire, vous amène le plaisir de quelques temps, mais qui n'est pas un plaisir normal, mais un plaisir temporaire. Il dit ceci dans Hébreux 3, verset 1. Pourquoi, frère, c'est pourquoi, frère, saint, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme fit Moïse dans toute sa maison. Car il a jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que celui que la maison elle-même. Voyez? Donc, ici, il explique que Jésus lui-même a été fidèle à Dieu, qu'il a établi, comme Moïse qui était fidèle, mais il dit, mais ici, il n'a pas, il a jugé digne, hein, d'une gloire qui est supérieure que ce que Moïse a vécu. Il veut la gloire supérieure que ce que Moïse a vécu, c'est ce qu'il a dit. Une gloire supérieure que ce que Moïse a vécu. C'est pourquoi il n'a pas simplement honoré ce qu'il faisait. Mais il a voulu honorer celui qui a fait les choses. Qui a fait, c'est Dieu. C'est Dieu qui construit la maison. Il a voulu honorer Dieu. Pour honorer Dieu,
Il a évité de faire le mal. C'est ce que Joseph avait fait. Pour honorer Dieu, il a évité de faire, pour honorer le patron, son patron Potiphar, il a évité de faire du péché avec sa femme. Et ça, c'est la dimension que Dieu attend de nous. Pour honorer Dieu, ce plaisir qu'on me présente, je l'évite parce que j'honore celui qui m'a appelé. Pour honorer Dieu, je ne vais pas faire ça parce que je vais honorer Dieu. Pour honorer Dieu, je ne vais pas prendre l'argent de quelqu'un. Pour honorer Dieu, je ne vais pas prendre la femme d'autrui. Pour honorer Dieu, je ne vais pas sauter avec cette femme. Non, 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 non. Parce que je vais honorer. J'ai fait ça pour honorer Dieu. C'est-à-dire que si tu honores celui qui t'envoie, tu t'éloignes du péché. Le péché nous éloigne, plutôt, la sainteté nous éloigne du péché. Pour honorer Dieu, je paye ma dîme. Pour honorer Dieu, je paye mes dons. Pour honorer Dieu, je fais ça. C'est-à-dire que tu fais des choses parce que tu honores Dieu. Tu ne le fais pas pour que les pasteurs voient. Tu ne le fais pas pour satisfaire les pasteurs. Mais tu le fais parce que tu veux honorer Dieu dans ce qu'il a dit. C'est pourquoi Dieu a dit, un peuple honore-t-il l'Éternel? Un peuple honore, un fils honore-t-il son père? En quoi vous honorez? Mais pour honorer Dieu, vous respectez sa parole. Vous obéissez à ce qu'il dit. Vous respectez les commandements de la parole de Dieu. Là, vous honorez Dieu. Là, vous respectez la parole. Quelle que soit la tentation qui vous arrive dans le cœur, quelles que soient les mauvaises pensées qui vous arrivent dans le cœur, dites, je ne veux pas ça. Ou les idées de divorce vous arrivent. Les pensées mauvaises vous arrivent contre votre femme, contre votre mari. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas dire ça. Non, je m'étais. C'est pourquoi, quand il n'y a pas la maîtrise de soi, je vous ai prêché sur le développement du caractère, hein, mais quand il n'y a pas la maîtrise de soi, il n'y a pas la facilité de maîtriser les choses, vous allez voir que vous allez céder à beaucoup de choses que vous n'avez pas la maîtrise de soi. Je vous ai donné le cours du développement du caractère. Vous avez suivi ça. C'est un cours, mais qui est très riche. Donc, il faut travailler aussi sur vos caractères. Parce que les caractères aussi influencent notre sainteté. Gloire soit rendue au Seigneur. Et la deuxième dimension, le péché, dont le plaisir temporaire, comme je viens de le dire. C'est ce que nous venons de lire dans Hébreux 3. Ça donne le plaisir temporaire. Et la troisième dimension, le péché est destructif. Donc, ça vient pour détruire. Le péché vient de détruire la destinée de plusieurs. Ça détruit la vie des gens. Ça détruit la destinée. Ça détruit tout. D'ailleurs, dans la Bible, vous allez voir, quand vous lisez Proverbe, vous allez voir qu'il y a un jeune homme à qui on, je crois, Proverbe 5, Proverbe 5 ou 6, je vais vérifier, où on voit le jeune homme à qui on a expliqué de ne pas suivre la femme prostituée, sinon il va l'amener loin, ainsi de suite. Donc, le jeune homme avait suivi la femme, la femme prostituée, et finalement, la Bible dit que les garçons, ils fessent la percée. Ouais, on parlait, on donnait conseil à un fils, il ne suit pas les séductions d'une femme prostituée. La femme a dit, oui, j'ai préparé mon chemin, j'ai préparé ma maison, mon mari est parti en vacances et tout ça. Et je suis resté moi seul à la maison, puis on va enivrer, enivrer et tout ça. Et voilà. C'est-à-dire que tout cela, c'est pour dire que quand vous êtes dans la tentation, dans le mal, et donc vous faut faire attention, vous allez tomber vers les choses qui sont mauvaises. Et donc, le péché peut vous détruire, ça détruit votre destinée. Le péché vraiment détruit la destinée des gens. Mais moi, je vais lire par contre Proverbe 3, verset 11. Mais Proverbe 5 parle déjà de ces choses-là. Il y a un garçon qui était tenté. Donc, il y a beaucoup de gens, quand vous voyez, leur vie s'est détruite parce qu'ils ont cédé souvent à la tentation et cela les a amenés à la destruction. Proverbe 3, alors, verset 11, je vais lire. Proverbe 3, verset 11, verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui trouve la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence, car les gains qu'elle procure est préférable à l'argent. Les profits qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Elle est précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc, quand
vous péchez, vous détruisez les choses précieuses qui vous sont réservées par l'Éternel. Vous détruisez l'avenir. Le péché est destructif. Il détruit la vie des gens. Beaucoup de personnes que je connais dans ma vie, la plupart, ils souffrent aujourd'hui à cause du péché qu'ils ont fait. Certains sont allés avec des femmes qui n'étaient pas les leurs. Ils ont attrapé le VIH, le sida. Ils en ont jusqu'à aujourd'hui. Et d'autres, ils ont fait de mauvaises choses. Peut-être qu'ils ont volé. Et puis le sol mauvais a été jeté. Ils ont souffert toute la famille. Dans d'autres, ils ont pris l'argent des gens. Ils sont partis, n'en remettent pas. Et ça poursuit la malédiction sur eux et sur les descendants. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. D'autres ont pris la femme de son ami ou il a pris les copains de les copains de sa copine. Il est devenu son mari. Et ça crée des problèmes dans sa maison. Pourquoi? Parce que c'est un péché. Le péché n'engendre pas le bonheur. Le péché n'engendre que la destruction. Le péché n'engendre que la souffrance. Le péché n'engendre que la misère. Et tout cela, voilà ce qui engendre les péchés. Dieu soit loué. Et puis, je lis l'avant-dernière partie pour avant de clôturer. Les trois grandes catégories du péché. Les trois grandes catégories du péché. J'explique. Un, la convoitise des yeux. C'est-à-dire, tes yeux voient, tu convoites, désires. Cela amène un péché grand, grand, grand dans ta vie. Parce qu'avec tes yeux, tu vois. Et ça te rend instable intérieurement. Et puis, ça te détruit, ça te détruit, ça te détruit. On va donner quelques versets qu'on va lire rapidement. Nous sommes dans Hébreux 2, verset 9. Hébreux 2, verset 9. Hébreux 2, verset 9. Hébreux 2, verset 9, parce qu'on va clôturer. Mais celui qui a abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire, d'honneur, à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Jésus a souffert pour nous tous, pour nos péchés, afin que nous ne vivons plus dans les péchés. Il a souffert, mais la gloire l'attendait. À un moment, vous passez du temps dit, mais ça ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. La gloire vous attend. Romains 8, verset 18 dit, les souffrances du moment présent ne seront pas comparées à la gloire à venir. Il y a une gloire qui doit arriver dans votre vie, qui n'est pas comparée à la souffrance que vous vivez. Il y a un temps de souffrance, il y a un temps où Dieu vous restaure, il y a un temps de rejet. Un temps de moquerie, un temps où les gens disent n'importe quoi sur vous. Il y a un temps aussi où Dieu s'élève pour vous défendre, s'élève pour vous Amen. parler du bonheur, Amen. s'élève pour vous témoigner. Et ça se passe comme ça. Donc, le péché, il y a des choses que nous voyons dans les yeux qui peuvent nous détruire, qui peuvent nous écarter de Dieu, qui nous écarter plutôt de Dieu. Mais nous devons marcher toujours dans la crainte de Dieu, nous devons marcher toujours dans la justice, peu importe ce qui peut nous arriver, mais continuons-nous à nous attacher à Dieu, continuons-nous à persévérer dans la justice, continuons-nous à marcher dans la sainteté, dans la crainte, le reste, Dieu le fera. C'est pourquoi Paul a dit aux Colossiens, chapitre 3 d'ailleurs, verset 16, il dit, que la parole du Christ abonde ou habite parmi vous abondamment. Que la parole du Christ habite abondamment au milieu de vous et instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres hein, en toute sagesse par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, devant chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Je suivais une fois une prédication de Tibi Joshua. Il avait enseigné ce jour-là quand il était encore vivant là. Et ça fait longtemps qu'il avait prêché ça avant sa mort, mais pas avant sa mort, mais c'est longtemps. Il avait parlé de la sainteté, comment maintenir une vie de sainteté. Il a dit,
Par moment, nous sommes des humains. Même moi qui vous prêche, je suis plus tenté que vous autres, ce qu'il avait dit. Je suis plus tenté que vous tous ici. Mais les tentations ne sont pas seulement les femmes. Les tentations financières, les tentations dans beaucoup de choses. Quelqu'un qui vient avec des affaires, mais si tu te lances là, tu te trouves en prison. Donc, beaucoup de choses. Alors, il a dit, la seule façon de maintenir la sainteté à l'intérieur de nous, pour éloigner un peu les péchés de loin, il faut développer en vous un style de vie d'adoration. Il dit, c'est-à-dire, dans votre tête, vous chantez des cantiques, mais qui ne sont pas visibles, mais qui sont à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de chanter des cantiques. Tantôt, vous êtes en train de faire des hymnes. Ce sont des paroles que vous dites chaque jour sans d'habitude. Vous les dites tout le temps, tout le temps. Les paroles de Dieu. Tantôt, vous chantez à l'intérieur de vous. Tantôt, vous êtes en train de faire des poussons. Vous racontez des poussons à l'intérieur de vous. Tantôt, vous racontez les paroles à l'intérieur de vous. Tantôt, vous êtes en train de penser à la parole de Dieu. Tantôt, vous êtes en train de chanter à l'intérieur de vous. Donc, tout ça, ça permet de vous maintenir l'équilibre spirituel. Et vous êtes en train de parler tout le temps, de prier en langue, de parler en langue. Mais vous-même, à l'intérieur de vous, vous parlez tout en langue. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Au cas où il y a des dangers, comment ça sort? Tu ne peux pas l'avion ne pas donner un témoignage. Et ils étaient dans l'avion. Pendant qu'il est parti, ils étaient en train de manger. Hein? Directement, non, ils étaient prêts de manger. Directement, le pilote a donné l'information que les moteurs ne marchent plus. Un moteur ne marche plus. Donc, le moteur ne marche plus de son avion. Les gens qui étaient, ils étaient paniqués. Il a vu celui qui était en face de lui transpirer. La veste était mouillée. Ces gens qui sont avec lui, son secrétaire, ses pasteurs, tout s'était mouillé dans l'avion. Il les regardait, il rigolait. Et quand l'avion fait le secours, les gens ont dit, ah, certainement, ça va partir. Lui, il a dit seulement, Jésus ne mourra pas. C'est sorti de son cœur, Jésus ne mourra pas. Et l'avion s'est équilibré. Et puis, ils ont commencé à chercher où descendre. Et il a dit au pilote, trouve un aéroport rapide. Il a trouvé un aéroport. Ils ont commencé à tourner jusqu'à ce qu'ils sont allés atterrir. Dès qu'ils sont arrivés pour atterrir, le moteur s'est déclenché lui-même. Il a dit seulement, on atterrit, ils ont atterri. Donc, il a dit, à l'intérieur, j'avais déjà des choses qu'on ne mourra jamais, même si c'est un danger, on ne mourra jamais. Donc, il faut développer des choses spirituelles en vous, que vous parlez tout le temps, tout le temps. Et c'est cela qui sort de votre bouche. Si vous dites, maman, il y a un danger, vous si vous dites, maman, papa, maman viendra vous sauver, maman viendra vous sauver. Non. Il faut que quelque chose qui brûle en vous et va réveiller la force qui dorme en vous. Il y a un héros qui est à l'intérieur de chacun de nous. Cet héros se réveille quand nous les réveillons aussi avec la parole de Dieu. On se rendit au Seigneur. Donc, la première des choses, la convoitise des yeux, c'est cela qui est la première catégorie du péché qui détruit notre destinée. Deuxièmement, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est cela aussi qui est la deuxième dimension, la deuxième catégorie du péché qui détruit la vie des enfants de Dieu. Parce que les croyants d'aujourd'hui, on ne parle, comme j'avais dit au début, on ne parle plus du péché. Ils aiment tout ce qui est mauvais. Et là, ils adorent ça. Ils adorent ça. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, l'Esprit dit expressément, nous sommes dans 1 Timothée 4, à partir du verset 1er. Dans les derniers jours, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, hein, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la fratricide dans leur propre conscience. Donc, ils vous enseignent des choses, mais ils ne sont pas dans les vraies. Parce que les gens aiment les choses qui leur sont agréables à l'oreille, comme vous voyez le texte dit. Les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à leur oreille. Vous serez bénis. Allez, c'est votre saison, allez. Et les gens ont la démangeaison d'entendre tout ça. Mais ils n'ont pas la démangeaison de se sanctifier, de se purifier pour devenir des vases d'honneur devant le Seigneur, afin d'amener le Seigneur au Seigneur en conversion. Ils ont vu que les gens allaient à la prière,
Tu ne convertis pas. Peut-être que tu es dans la vie, tu n'as pas converti. Mais ce que Dieu compte, c'est quoi? C'est les gens qui migrent. Il a quitté telle église, il est venu chez moi. Il a quitté chez moi, il est dans telle église. Il a quitté dans telle église. Ça, c'est la migration. Mais ce que Dieu attend, c'est la conversion par la migration. Dieu a besoin de la conversion des gens. Les gens qui se convertissent, quelqu'un qui était païen, quelqu'un qui n'était pas né de Dieu, il vient, il est né de Dieu, il s'est converti en donnant sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà ce que Dieu attend. C'est pourquoi quand je prêche, à la fin de chaque prédication, je demande aux gens de recevoir Jésus. La plupart de mes prêches, quand vous suivez dans YouTube, vous allez voir que, à la fin, je demande qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Puis, à qui veut donner sa vie à Jésus. Je ne prie pas pour quelqu'un sans lui demander s'il veut recevoir Jésus. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il a le vrai Jésus que moi j'ai. Peut-être qu'il a été invité dans l'église, il n'a pas Jésus. Et ça aussi le problème. Donc, tout ça, c'est des choses que nous voyons. Donc, là, c'est le, ça, c'est la convoitise de la chair qui amène l'immoralité. C'est cela aussi qu'on appelle la deuxième catégorie du péché, qui agit dans la chair. La première catégorie, c'est dans ce que tu vois. La deuxième catégorie, c'est dans la chair. Et la troisième catégorie, ça se développe à l'intérieur de nous, l'orgueil. L'orgueil, 2 Timothée 3. L'orgueil qui se développe à l'intérieur de nous. 2 Timothée chapitre 3. L'orgueil qui se développe en nous et ça crée le péché en nous. Ça engendre le péché. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4, c'est là où nous clôturons. C'est la dernière partie de ce cours pour aujourd'hui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyautés, déloyaux plutôt, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, jusqu'au verset 5. Donc, dans les derniers jours, il y a aussi des gens que nous allons voir, donc, qui sont orgueilleux, hein, qui sont orgueilleux et qui sont égoïstes, qui aiment tellement l'argent. À cause de l'argent, ils peuvent tout faire. À cause de l'argent, il est prêt à sacrifier même son corps. À qui aime l'argent, ils sont fanfarons, donc ils sont hautains, ils sont orgueilleux, ils sont blasphémateurs, ils sont rebelles même à leurs parents, rebelles même à leurs leaders, ils sont ingrats, ils ne sont pas reconnaissants la voie dans laquelle Dieu les a amenés. Ce sont des ingrats. Ils sont même insensés, donc ils sont déloyaux, ils ne sont pas loyaux. Ils sont calomniateurs, bitonga tonga. Ils sont intempérants, donc ils ne savent pas maîtriser leur tempérament. Donc, ils n'ont pas, quand on parle des intempérants, ils sont pas intempérants, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas leur tempérament. Donc, ils ne sont pas stables, tantôt silicides, tantôt d'eau. Tantôt écrits. Donc, ils ne sont pas stables mentalement. Ils ne sont pas stables émotionnellement. Ils ne sont pas stables dans leurs pensées. Donc, ça bouge de tous côtés. Je vous ai prêché le cours de développement du caractère. Donc, ça bouge de tous côtés. Donc, ils ne sont pas, ils n'ont pas la maîtrise de soi. Ils ne savent pas maîtriser leur intérieur. Et c'est des gens qu'on va voir dans les derniers jours. Et ce sont des traîtres. Hein, ils aiment, ils sont ennemis du bien. Ils sont cruels. Ils sont emportés. Ils sont enflés d'orgueil. Ils aiment le plaisir du monde, le sexe, l'argent, les boissons. C'est ce qu'ils aiment. Donc, ils aiment toutes ces choses. Ils aiment la gloire des gens, la gloire des humains, la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Tout cela, c'est ce que ces gens-là aiment. La Bible dit, éloigne-toi de ces gens-là. Si ce sont tes amis, coupe cette amitié-là, parce que ça va t'amener à la destruction. Coupe. Je n'ai pas des amis, moi. J'ai des amis serviteurs de Dieu, mais qui marchent dans la crainte de Dieu. Ceux qui ont été avec moi, avec qui je suis habitué, mais ils sont loin aussi. Il y a un qui est parti au Congo, le pasteur Rodolphe, mais il travaille au Congo. Il y a un qui venait de mourir ici, le pasteur Rodolphe, pardon, qui a son âme, le pasteur Maurice. Donc voilà, c'est des gens qui étaient très souvent à mon entourage.
Donc, comme vraiment des amis avec qui on partageait la pensée de Dieu, les idées qu'on a, tout ça. Il y a les pasteurs qu'on s'appelle, il est marié au con, mais quand même on s'appelle. Donc, voilà. Mais les restes sont les collègues de l'œuvre de Dieu. À part mon ami aussi, Pasteur Nestor, la population qui est en Allemagne, avec qui on parle tout le temps, même la nuit, 2 heures, 1 heure de temps. On ne sait pas parce qu'on a grandi dans le même ministère. S'il y a des difficultés, c'est moi qui sais. S'il y a mes difficultés du côté de moi, c'est lui qui sait. Donc, voilà, tout ça, des fois, il me demande des conseils. Moi aussi, je vois, je demande des conseils. Voilà, et ça, c'est vraiment la vie qu'on a développée en tant que des enfants de Dieu. Mais il faut être prudent. Les gens qui ne marchent pas comme toi, les gens qui sont dans toutes ces choses qu'on vient de lire là, pourquoi tu dois être avec eux? Pour quelles raisons veux-tu continuer à être avec eux? Parce qu'ils ne sont pas dans la même dimension que toi. Ce sont des pécheurs. Donc tu ne peux pas être avec eux. Ils vont te détruire, ils vont t'amener en danger, ils vont créer en toi une vie de rébellion et tu vas vivre une difficulté. La Bible dit dans 1 Pierre 5, versets 5 à 8, le diable rôde, il rugit, il cherche qui va dévorer. Il rôde comme un lion, il cherche qui va dévorer. Donc il peut t'attraper au travers de toi, il peut t'avoir au travers de toi. Donc il faut chercher à se mettre à l'écart. Chercher à se mettre un peu à côté. Voilà là où j'ai mis limité pour ne pas abuser avec l'heure. Et la partie restante, je vais continuer par cette partie-là. Je vais développer l'orgueil de la vie parce que c'est une partie qui est très importante. On va plus développer cet aspect-là demain si Dieu le permet. Je vais développer cette partie-là. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter par là et que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander une. Comment on dit ça? Si vous pouvez permettre que je commence avec vous un peu avant le cours demain, parce que j'ai encore un autre rendez-vous ailleurs, et je dois aller défendre. Donc, si vous pouvez permettre que j'aille, que je commence un peu avec vous avant, et moi, ça me fera un peu du bien, je vais vous l'accepter. Que je prenne 1 heure avant et puis qu'on termine avant, ça dépend de vous. Sinon, je laisse, on fait la même heure qu'on fait d'habitude. Si vous voulez, je peux commencer avant ou alors on peut commencer ça le soir. Ou on peut commencer ça le soir, comme vous voulez. Souvent, d'habitude, on fait ça à 16 h. On peut faire, si vous voulez, j'ai des propositions. Parce que j'ai un rendez-vous aussi. Je dois aller plaider aussi pour les enfants de l'église. Donc, je suis invité rapidement pour aller défendre aussi là-bas. Donc, je peux intervenir. Soit je fais entre 16 h, entre 17 h et 18 h. Je peux rentrer avant. Et si vous acceptez, comme demain c'est samedi, on peut faire le cours le soir. Comment vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi. Vous avez parlé des 15, 16 h. D'habitude, on fait 16 h, mais si vous avez dit avant, c'est que ça sera 15 h à 17 h. Mais 15 h à 17 h, le temps que je quitte chez moi pour aller vers Anvers, ça me sera trop tard. Le temps que j'ai à intervenir, ça sera un peu tard. Je dois intervenir à Anvers. Et avant, vous avez dit avant quelle heure? C'est vous qui voyez, si vous dites avant 15 h, vous me dites, si vous dites, bon, on peut mettre 14 h jusqu'à même pendant 2 h, 14 h, 16 h, c'est bon. Oui, moi, ça ne me dérange pas. 14 h, c'est là. 14 h. Et Pour moi, je papa sais pas Jean-Pierre, si c'est Pasteur d'accord? Jean-Pierre. Allô? C'est Jean-Pierre, c'est bon pour vous? Il n'a pas de bon. Parce que c'est des fois, il a fermé le micro. Donc, je ne sais pas si ça sera possible. Bon. Pour moi, c'est si c'est possible, oui, si ce n'est pas possible, bon. Je mets seulement les trucs, hein. Je laisse comme ça. Si ce n'est pas possible, alors on l'est, oui. On n'est pas aussi touché, on n'est pas aussi. Donc, on n'est pas scandalisé les autres.